Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que la connexion sera pas trop à chier. J'attends d'avoir vos retours, me dire si vous m'entendez bien, si la musique est pas trop forte et tout ça. J'ai essayé de passer en fait sur ma 4G, mais visiblement en fait c'est pas mieux. Donc on va prier la DSL qui va faire un minimum le taf. Et vraiment genre un minimum quoi, parce que de ce que je vois là, mon débit il est... Je suis dans le rouge de partout et je peux pas faire beaucoup mieux. Ok, bah super. Va falloir prendre votre meule en patience du coup si vous avez un petit peu de mal du coup avec... Non, j'ai même pas la fibre. Mais si vous avez du mal avec le fait de regarder un stream qui lag, parce que je pense que ça va laguer par moment, mais on va dire que c'est dans l'esthétique glitchée, c'est voulu sur la chaîne. C'est dans la thématique et tout ça, voilà, ça fait le café. Hop. Je fais quelques réglages... avec vous sur le moment, je veux juste voir pour faire afficher le chat en direct, comme ça il y aura ce qu'il faut. Est-ce qu'on voit tout ici? Comme ça doit être pas trop mal. Bon bah du coup, une première sur la chaîne. Va falloir que j'arrive à meubler, parce que c'est pas la même chose du coup que de faire une vidéo où tout est écrit à l'avance. Là j'ai quand même quelques notes, mais ouais, si j'ai des notes, mais ça va être un petit peu au feeling comme on dit quoi. En fait, c'est ça, faut réussir à ne pas faire de temps de vide en vous lisant. En tout cas, bah, content d'être là. J'espère que vous allez être content aussi de voir tout ce que j'ai préparé. Même si c'est pas grand chose en vrai, mais c'est quand même cool. Je me suis bien amusé à faire tout ça. Le son déconne un peu. Je suis pas sûr de pouvoir faire grand chose à ça. Je pense que ça va sauter par moment. N'hésitez pas à me dire si genre il y a besoin de que je répète quelque chose ou si on a du mal à me suivre parce que ça lag. Ouais, ça rajoute de l'interaction carrément, parce que du coup vous allez me dire tout le temps s'il y a un souci. Mais ça devrait le faire normalement. Il n'y a pas grand chose à voir. Vous voyez ça un peu comme un podcast où il faut surtout m'entendre, mais du coup si le son déconne, là c'est un peu plus chiant. Mais ça va? T'es en mono oreille gauche? Ah ouais? Est-ce que ça fait ça pour tout le monde ou pas? Je suis désolé pour toi Vavan, mais c'est peut-être juste ton casque ou tes écouteurs qui galèrent, mais si ça fait ça pour tout le monde, je vais peut-être essayer de régler ça, même si j'en ai... Si j'ai aucune idée de à quel endroit ça peut être. Je regarde vite fait, mais... Ouais, non, je vois rien. Non, ok. Bon, bah... On va y aller comme ça. Désolé pour toi, Vavan, du coup. Du coup... Bah, on se retrouve aujourd'hui, en ce beau soir du 27 mai, pour parler de un peu de tout et de rien. Ah ouais, c'est peut-être juste la musique de fond. Ok. Attends, je te lis en même temps du coup, hop. Faut que j'arrive à m'y faire. Mais du coup, le programme, je reviens là-dessus.
On se retrouve en ce beau jour du 27 mai là, parce que en fait j'ai pas fait de vidéo depuis un bon moment. Il y a eu la vidéo sur Yozora, mais si vous l'avez vu, vous avez vu qu'à la fin en fait je raconte que la vidéo sur Yozora elle est écrite depuis KH3 quoi, donc franchement en fait il y avait pas... J'avais rien foutu en fait depuis un bon moment. Et je me suis rendu compte que on a à pas grand chose près, ça va faire un an en fait que Union Cross est sorti. Et j'ai pas fait de retour sur Union Cross en dehors vite fait de sur Twitter, j'ai mis quelques trucs de temps en temps, mais je suis pas ultra actif et tout, parce qu'en général je me dis que oh, je vais faire une vidéo pour mettre tout ça au propre et tout, mais souvent j'ai la flemme en fait, j'ai d'une pas forcément hyper le temps, j'ai pas mal de projets à côté, on va en parler tout ça, mais j'ai vachement la flemme et des fois aussi je suis pas forcément emballé par les trucs du moment en fait, en termes de théorie, tout ça. Donc même si j'en ai quand même quelques-unes sous le coude, c'est pas toujours ce qui me branche, et du coup j'ai pas forcément envie de trop en parler quoi. Yozora c'était le cas, j'accroche pas forcément au personnage, à toute l'esthétique et tout ça qui va avec, mais je me suis dit bon allez on va quand même en parler pour faire plaisir à des gens qui m'avaient demandé et tout ça, mais du coup ça a été une mauvaise expérience en fait, parce que bah... Ça m'a complètement dégoûté du fait d'avoir bossé dessus pendant des mois, quoi. Comme je dis, la vidéo, elle était écrite depuis des années. Le montage, je l'ai refait plusieurs fois parce que je suis passé de mon truc sur mon portable, après à logiciel, ça a craché, bref. Pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'était la merde. Mais surtout, en fait, là où je voulais en venir, c'est que ça fait un an que Union Cross est terminé, et du coup on a du recul au final, et c'est ça qui va être sympa, c'est de pouvoir en parler avec le recul, c'est l'excuse pour tout ce qui est genre question, pardon, ouais, je vois ta joie Néo, moi je suis pas du tout toué, oui, mais on va en parler un peu plus tard de ça, on va divaguer par moment, mais enfin là j'ai vite fait une fiche que je voudrais suivre avec quelques points et tout, mais globalement ouais, sur la fin ou par moment s'il y a des petits creux, et bah on comblera avec des questions et tout ça. Hop, j'espère que la musique est pas trop forte, je m'en rends pas trop compte. Du coup, fin d'Union Cross il y a un an, globalement j'ai une super interface en fait normalement pour Union Cross. Waouh, les petits onglets et tout là, magnifique. Du coup, putain, je vais dire du coup tout le temps en fait. C'est trop la mort, j'ai trop l'impression de parler tout seul, c'est affreux. Comment tu fais Chronos, comment tu fais? Alors Union Cross, par rapport à la fin, on va revenir là-dessus, parce que bah, j'en ai pas parlé en vidéo, même si je pense faire quelque chose d'un peu plus propre que ça, mais... On va voir. Y a pas mal de choses qui restent floues en fait sur la fin d'Union Cross et ça me fait chier. Ça va être le live de la déprime, hein, parce qu'en fait je vais faire que me plaindre tout le temps. Il y a des trucs que j'aime bien, mais la cache, c'est arrivé à un point où tout me déçoit presque. Mais là en fait ouais, je trouve que Union Cross en fait la fin, il y a peu de révélations en fait par rapport au mystère qu'il y avait en cours. Genre on a vu qu'ils ont pris l'arche et tout ça, mais pff, ça on le savait déjà plus ou moins avec les rapports secrets de KH3. En fait j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose de neuf. Il y a le truc par rapport au Darkness où on a eu des révélations un peu plus, mais enfin c'est même pas des révélations en fait, c'est de l'ajout sur des trucs qu'on se posait pas de questions dessus. Donc c'est vrai que ça me dérange. J'aurais voulu qu'on nous fasse que les choses soient plus claires en fait. Genre je comprends toujours pas pourquoi vouloir laisser un flou sur le fait de savoir est-ce que Skuld c'est le sujet X ou pas, genre il nous montre pas où elle a atterri et tout ça. Je vois pas l'intérêt de laisser ça comme ça en fait. Ça me semble pas être une vraie fin. Je trouve que le jeu, enfin la fin du jeu, ne se suffit pas à elle-même. On est obligé d'attendre la suite. Et c'est quand même vachement triste quoi. Mais sinon, globalement,
La fin, c'était épique. Franchement, ça, je pense que c'est vraiment le mot. C'était super épique à suivre. Malgré le style graphique, en fait. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal avec le style graphique. Même si je l'aime beaucoup, en fait, j'ai du mal dès que ça devient quelque chose de sérieux. Quand on se balade dans les mondes Disney avec la petite esthétique chibi et tout ça, ça me plaisait, je trouvais ça cool. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai commencé avec le premier key sur navigateur. J'y jouais vite fait, hein, mais parce que je comprenais pas du coup, c'était en japonais. Mais j'aimais bien l'esthétique. Et en fait, je trouve que key, bon, sauf la toute fin du coup, vraiment avec la guerre des Keyblade et tout ça, ça restait relativement mignon en fait. Il y avait le côté conte de fées, petit livre pop-up et tout ça. Pas poppers, ça fait toute la différence. Mais du coup, putain, je vais dire trop de conneries, c'est affreux. Ouais, c'est vrai, aucun jeu post-KH2 se suffit à lui-même, mais là, en fait, c'est encore pire, quoi. Je trouve vraiment que... en fait, la fin, là, de Union Cross, ouais, du coup, je vais revenir avant sur le style graphique. Je m'y suis fait, en fait. Enfin, je m'y suis fait vite fait, mais j'avais beaucoup de mal dès qu'il y avait des scènes sérieuses, notamment dans Union Cross, quand tu vois, genre le môme qui parle avec le Darkness et tout ça, en petit sprite, sans voix off, sans doublage et tout ça, ça fait pas le même effet, mais pour autant, je trouve que le final, le combat contre Darkness, le moment où Player se bat contre Skuld et FMR et tout, je trouve que ça fait son effet. Et donc ça, c'est cool. Je sais pas vous, est-ce que... Après ça remonte hein, du coup, mais... Qu'est-ce que vous pensez de la fin de Union Cross après toutes ces années d'attente? Pour moi, c'est vraiment pas une vraie fin. Putain, vu que j'ai le temps de retour pour pas avoir trop de lag, et bien en fait je pose mes questions, mais je me rends compte que vous allez y répondre 2 minutes plus tard, alors je vais essayer de meubler tout le temps. Qu'est-ce que je peux dire pour meubler? En fait, ouais, on va dire les différents flous qu'il y a, c'est de savoir. Là, je vais rejouer en bas là des petits onglets. J'ai mis éphémère, parce que justement Skuld, on sait pas où elle a atterri, même si a priori c'est le sujet X apparu à l'époque de Xehanort l'Apprenti quand il était au Jardin Radieux. Mais du coup, éphémère. On sait pas vraiment. Est-ce qu'il a voyagé dans le temps? Est-ce qu'il a pas voyagé dans le temps? Pour moi, il a pas voyagé dans le temps, vu qu'il se réveille dans la capsule. Genre, la capsule, elle est toujours là. En fait, la machine s'est détruite au moment où il allait voyager. Du coup, il est resté en fait à l'époque passée pour moi. Enfin, il est resté dans la même époque, mais il a juste survécu au cataclysme en fait, grâce au pod, quoi. Elrena et Loriam, du coup, il y a le flou de savoir. Bon, ils ont dû arriver à peu près à l'époque de Birth by Sleep, quoi. Ça collerait au niveau de leurs âges, si tu les imagines. Si Marluxia et Larxim, tu les imagines avec 10 ans de moins. Ouais, c'est ça, ils ont à peu près 14-15 ans. Allez, 16 ans peut-être pour Loriam. Un truc comme ça, toi, ça passe visuellement. Mais du coup, on sait pas vraiment comment ils ont atterri à l'époque de Birth by Sleep. Ils ont pas vraiment le. Les trucs des... comment ça s'appelle, le médium et tout ça, la personne avec les souvenirs. Tout ça, c'est flou. Et je trouve que le flou, il est pas nécessaire. Pour moi, on aurait dû avoir une vraie réponse à ça, quoi. Il y a que Ven où c'est un peu plus clair. Il a été trouvé par Xehanort et tout, ça passe. Sinon, il y a le super mystère de savoir... Brain, il y en a deux. Comment ça se passe? Est-ce que Lushu a pris son corps ou pas? Franchement, moi, je suis pas trop friand en fait de la théorie comme quoi Lushu aurait pris le corps de Brain. Je sais que c'est un petit peu le consensus commun. Oui, vu que c'est commun, vu que c'est un consensus. Mais le consensus, c'est ça, c'est de se dire que Brain a été le premier hôte de Lushu. Et j'adhère pas du tout à cette idée parce que en fait, Lushu, il nous dit que... Alors je mets ça ici, hop.
dans le super rapport numéro 12 de KH3, où on dirait que dans ce rapport ils l'ont un petit peu ignoré, il dit qu'il a confié sa Keyblade à l'un des chefs d'Union, et que c'est seulement en fait après avoir confié sa Keyblade qui s'est séparé de son corps. Du coup, il y a le problème de savoir s'il a plus de Keyblade, comment il s'est séparé de son corps. Les arches, il n'a plus vraiment l'air d'en avoir sur le moment, quoi. Il n'a pas pu se séparer de son corps avec une des arches, a priori. Si Brain a récupéré l'innommé et qu'ensuite il a voyagé dans le temps pour arriver à l'époque de Missing Link, il y aurait un gros problème en fait. L'innommé, son but, c'est de voir toutes les époques. C'est pour que le môme ait une grande vision de tout ça. Mais au final, si le môme. Si Lushu a donné sa Keyblade à Brain et que Brain est parti ensuite, directement à l'époque de Missing Link, il y a toute une partie en fait de l'histoire que le môme ne peut pas voir. Et a priori, c'est pas le cas, quoi. Dans ses rapports, Lushu nous dit bien que. Lui, il a surveillé la Keyblade pendant des siècles et des siècles, qu'il a toujours été là dans l'ombre pour regarder les différents porteurs de l'innommé. Mais en fait, pendant des siècles, il n'aurait pas eu de porteur d'innommé si Brain s'est barré avec la Keyblade. Donc, ce qui fait que j'adhère pas du tout là-dessus. Je vais vous sortir. Attendez, je prends juste une petite note. J'avais un truc. J'avais pas prévu de le raconter, ça, mais. J'ai trop la flemme d'en faire une vidéo. Alors on va essayer de présenter la manière dont je vois les choses. Hop, je vais vous remettre juste ça. Voilà. Ouais, voilà. Vous êtes quand même du genre aussi à vous dire que ça a l'air plus compliqué que simplement avoir pris son corps, quoi. Limite pour y avoir un truc à base de clones de données ou un truc comme ça, parce que c'était un. C'est quelque chose qu'on a abordé, le fait que les données elles puissent être récupérées et tout. Donc peut-être quelque chose avec ça. Pour faire un bref brainstorming par rapport à Brain, justement, on va dire un petit truc. On va partir de la scène où Lushu parle avec Brain. Dans cette scène-là, il y a encore deux pods du monde réel. Il y a deux pods du monde réel, deux capsules du monde réel de l'Arche, qui sont envoyées dans le monde de données. Je sais pas si vous avez tout ça en tête. En gros, à ce moment-là, en fait, il y a Loriam, justement, Loriam, Elrena, Ven, et c'est tout, sur le moment. Ouais, c'est ça. Ven, Loriam et Elrena qui sont envoyés en première partie. Désolé pour le lag, ça me fait trop chier. Je suis en Bretagne hein, donc, et on a DSL. Mais toi, je suis à côté de Rennes, quoi. Donc normalement, je suis pas non plus dans la campagne profonde, mais. Du coup, y a les trois là, ils se barrent, Loriam, Elrena, Ven. Il reste Brain encore dans le monde réel, et il y a Skuld, Player et Éphémère dans le monde de données. Pendant que Lushu parle avec Brain, il reste du coup un seul pod dans le monde de données. Pour moi, à ce moment-là, en fait... Attends, non, que je me perde pas dans mes notes. Putain, c'est trop chaud. Je vais trop raconter de la merde, je me perds trop dans ce que je dis. Ouais, du coup, la scène avec Lushu et Brain, il y a deux pods du monde réel qui sont envoyés dans le monde de données. C'est les deux pods qui vont servir pour Skuld et Éphémère, en fait. Pendant ce temps-là, pendant que Lushu et Brain y parlent, il reste du coup un seul pod dans le monde de données. Moi, je verrais bien, en fait, un passage qu'on n'aurait pas vu, en fait, un truc off-screen, où Lushu, il aurait été montré quelque chose à Brain, après son petit blabla et tout, genre en mode faut pas que tu meurs là, je vais te montrer un truc. Pour moi, c'est comme ça que ça se passerait.
Donc, Skuld éphémère se barre. Ils arrivent dans le monde réel. À ce moment-là, Lushu et Brain sont partis ailleurs. Donc la salle est vide, ils voient personne. Ils vont à l'extérieur, en sachant que quand Skuld et éphémère, ils vont à l'extérieur, en fait, on nous le montre pas, mais pour sortir en fait de la salle de l'arche et aller vraiment dehors, il y a des ascenseurs, il y a tout un truc et tout à prendre, donc techniquement en fait il y a du temps qui s'est passé quoi, et ça s'est pas fait en 2 minutes a priori. Donc pendant ce temps-là en fait ça laisserait le temps à Brain d'utiliser le dernier pod, genre Lushu le fait revenir ou quelque chose comme ça, Lushu, ouais attends, on va dire ça comme non. Je sais pas si je peux faire des notes en même temps. Sur. Hop. Source texte. Ça va être plus simple. Créer une source texte. Alors. Lushu et. Ouais, c'est super grand ça. Ça va être beaucoup plus simple comme ça, je pense. Au pire, je zappe cette théorie hein, si j'arrive pas à l'expliquer. Pourquoi c'est aussi grand que ça? Alors, on va mettre ça ici. Alors, Lushu et Brain, ils parlent ensemble. Je sais pas si ensemble ça prend un S, je crois pas. Pendant ce temps-là. J'aime bien l'idée des deux Lushu. En vrai, ça serait cool. Ça serait super cool. Je fais juste mon blabla. Skull des FMR quitte le monde de données. Hop, on voit bien tout ce que j'écris. Non, on va le mettre ça plutôt ici. Et il y avait pile une place faite pour pouvoir mettre des annotations. C'est parfait. Il quitte le monde de données. On va faire ça comme ça. Ils arrivent dans le monde réel. Lushu et Brain, ils sont déjà partis. Et ils sont partis, on sait pas où. J'espère que ça tapote pas trop sur mon clavier. Enfin, que le son du clavier s'entend pas trop, vu que mon micro est juste à côté. On va le décaler un petit peu. Hop. Ils vont à l'extérieur. Ils se disent waouh, on va aller voir un superbe coucher de soleil de la fin du monde. Le temps de se barrer. En fait, le moment où ils vont à l'extérieur, ça laisse le temps à Brain et Lushu de revenir dans la salle. Et genre de faire venir le dernier pod. Pour moi du coup en fait de ça, hop, on va faire ça comme ça. Brain pour moi il a juste pris une arche. En fait, avec la connexion, j'espère que ça reste lisible. Vu que ça floute vachement, je sais pas si ce que j'écris c'est lisible, mais ça m'aide à me concentrer sur ce que je raconte. Hop. Il arrive à l'époque de Missing Link, à peu près. Grâce à son chapeau et tout, c'est Sigurd qui le trouve. C'est la petite scène post-crédit, là. Et pour moi, en gros, le truc, ça serait en fait que. Pendant le moment en fait où Lushu et Brain ils se sont barrés, je me demande en fait si Lushu il a pas été expliquer un truc à Brain en passant dans le monde de données, parce qu'on sait que a priori les oracles ils sont capables de passer dans l'unchained et le monde de données un petit peu comme bon leur semble, en fait ils ont pas besoin forcément de l'arche pour quitter ce monde là. Mais de ce fait en fait je verrais bien que Lushu il a été récupérer les données de Brain
Et que ça soit en fait ce corps-là qui l'occupe. Du coup, Lushu, il aurait récupéré en fait le corps de Data Brain, quoi. Et du coup, là, on aurait bien les deux brains, en fait. On aurait Lushu qui aurait abandonné son corps et qui aurait récupéré un corps de données. Bon, on va savoir pourquoi, du coup, pourquoi il a eu besoin d'abandonner son corors directement alors que il aurait pu juste pu vivre avec le sien, quoi, mais bon. Et j'aimerais bien ça. Parce qu'en fait, si c'est, sinon, ça pourrait être l'inverse. Genre, Lushu a pris le corps du vrai brain et c'est le brain de données qui aurait été envoyé dans l'arche. Mais est-ce que c'est faisable? Genre, dit au niveau du cœur et tout, genre, est-ce que le brain de données avait un vrai cœur? Genre, ça. Pour moi, ça serait un peu chelou, quoi. Et coucou ceux qui viennent d'arriver. Ça, ouais, enfin, ça serait un peu chelou. Après, du coup, ça serait quand même vachement cool d'imaginer que. Ouais, d'imaginer que Heracus, ça soit en fait, genre, un descendant, pas de brain, mais du brain de données. Le mindfuck ultime de ton grand-père, en fait, c'est un mec virtuel, quoi. Genre, je trouverais ça super cool. Mais je sais pas si j'ai envie vraiment qu'on parte dans ce genre de truc-là. Si, je sais pas si. Ça peut être vachement sympa, tout comme ça peut être casse-gueule. Mais je demande à voir. S'il y a quelque chose comme ça, je critique pas de suite. Je suis franchement curieux de voir ce que ça pourrait donner, en fait. Et du coup, ensuite, en fait, il y aurait le vrai brain. Le vrai brain qui arriverait à Missing. Ouais, à Scala. En admettant que ce soit bien Scala, quoi. Hop, il arrive à Scala de Kailoum. Et pour moi, en fait, en gros, tout le débat, en fait, c'est le petit onglet qu'on voit en haut avec le visage de Brain en manteau noir dans la future nécropole des Keyblade. En fait, pour moi, là, en fait, ça serait le vrai Brain. Mais, genre, pour moi, en fait, genre, Brain, il est arrivé à Scala de Kailoum, à l'époque de Sigurd, de Missing Link, plus ou moins, et tout. De là, il aurait continué son entraînement vite fait, ou un truc comme ça. Après, il serait passé maître. Et ça serait seulement à partir de ce moment-là qu'il aurait récupéré l'innommé. Genre, un héritier précédent lui aurait transmis, et puis. C'est son tour d'être le porteur, mais seulement à ce moment-là. Pour moi, en fait, il n'aurait pas récupéré l'innommé par Lushu, mais il l'aurait récupéré bien plus tard, pour qu'il n'y ait pas du coup un creux, en fait, où l'innommé n'aurait pas été active. Dis rien d'intéressant. Ouais, ok. Bah, si tu veux, je répète après. Mais au pire, il y aura, il y aura l'écrit comme ça. Je lis vite fait ce que vous dites en même temps. Les réincarnations, moi, j'ai un peu de mal. Je trouve que ça colle pas trop à Cash. Mais à voir. Enfin, je dis que ça colle pas à Cash aussi. En fait, je suis con. En fait, il y a. Il y a Xehanort et Player a priori, mais bon. Je trouve ça un peu plus bizarre en fait. Si, genre, t'es la réincarnation de ton grand-père ou un de tes ancêtres, ouais, après ça fait très Naruto tier. Je suis pas friand, mais c'est fort, ouais, c'est possible en vrai. Et d'où, du coup, ça rebondit sur ce que Chronos disait que. Heracus, ça pourrait être Brain, quoi, mais à voir de quelle manière. S'il y a quelque chose comme ça, je suis pas contre. En fait, du coup, tout ce blabla, c'est juste pour dire que pour moi, en fait, la scène où il y a le Brain Bis là, qui se promène avec l'innommé et le coffre, pour moi, en fait, ça se passe pas.
C'est pas la même scène au final que dans Back Cover. Pour moi, en fait, dans Back Cover, il y a la scène où Lushu planque le coffre dans la nécropole où on ne sait pas ce qu'il en fout. Et plus tard, lorsque Brain, du coup à l'époque de Missing Link, donc a priori très longtemps après Union Cross, c'est seulement à ce moment-là en fait que Brain aurait été récupéré la boîte. Il y aurait cette scène-là, et du coup pour le parallèle, ils lui font dire la même phrase et tout ça pour rigoler. Il récupère la boîte, il la planque à son tour. Et quand au final Lushu veut la récupérer dans KH3, ben en fait il se retrouve comme un con parce que y a notre copain Brain qui l'a planqué en même temps quoi. Je sais pas si vous me suivez. Je pense que tout ça, j'en ferai un truc plus propre. C'est un des scripts que j'ai depuis longtemps de côté aussi, mais. J'attendais de voir des trucs par rapport à Dark Road. En fait, il y a pas mal de vidéos que j'ai plus ou moins en cours. J'attends de voir la fin de notre Dark Road, concrètement. Parce que, enfin, y a trop de trucs qui peuvent s'annuler et tout, alors ça me fait chier de me lancer dans un montage qui va encore me prendre des mois pour que ça soit cancel juste en août, quoi. Après, août, ça fait quoi quand même? Ouais, ça fait quand même dans plus de 2 mois. Hein. J'ai pas d'excuses en fait. J'ai la flemme, c'est tout. Nanana. Ouais, c'est une forme de. Enfin, le mur, ouais, le quatrième mur, il est brisé d'une certaine manière. Le pire, moi, c'est avec le truc comme ça de la réincarnation de player, c'est que mince, comment ça s'appelle? Justement, player, moi, j'avais fait une waifu, hein. C'était une petite bonne femme avec des cheveux roses et des couettes, quoi. Et genre, elle est devenue Xehanort. Ça fait mal au kokoro, un peu, là. Comment Brain aurait su qu'elle était là? Bah, soit l'info s'est transmise aux différents porteurs de l'innommé, soit, en fait, Lushu avait dit quelque chose à Brain, en mode « t'iras récupérer le coffre à tel moment et tout », sauf que Brain, faut pas oublier que c'est un virus qui veut réécrire l'histoire. Et du coup, c'est possible qu'il se soit mis en tête de ne pas suivre ce que Lushu lui aurait demandé de faire. En fait, enfin, j'ai vraiment cette impression-là que dans KH3, Lushu, il est dans la merde. J'ai vraiment l'impression qu'il sait pas vraiment où est le coffre et que il a peur qu'on le trouve avant lui, quoi. Après, c'est peut-être son double jeu qui fait que c'est. C'est fait de sorte à ce qu'on comprenne pas trop les choses en tant que joueur et que les autres personnages ne le suspectent pas trop, même s'il est ultra suspect. Même Saïx, il a l'air de tilter à des trucs en mode putain, qu'est-ce que tu veux faire avec cette boîte de merde? Il y a Lushan qui l'a grillé aussi, carrément, mais bon. Je sais pas trop ce que ça veut raconter. Et du coup, en fait, pour moi, l'innommée, elle n'aurait pas été du coup transmise à Brain, mais elle aurait été transmise à Éphémère. Parce qu'en fait, Éphémère, c'est a priori le seul qui serait resté dans le passé, ou du moins qui n'a pas voyagé directement dans le futur, ou du moins un futur où il n'y avait pas déjà de la vie. Donc en fait, pour moi, c'est la solution la plus logique. Si Lushu, s'il passe l'innommée à Éphémère, Éphémère, il est en mesure de la transmettre à quelqu'un d'autre ensuite. Bon, déjà, Éphémère, c'était le seul à être encore en vie à ce moment-là. Donc, ça paraît être la meilleure personne pour lui passer la Keyblade. Mais genre, tu lui passes la Keyblade. Ensuite, du coup, Éphémère, il trouve un moyen de faire revenir du monde dans la vie, dans le monde réel ou non, mais en tout cas, il arrive à recréer l'ordre des porteurs de la Keyblade et tout ça, donc il a un élève à son tour, il lui passe l'innommé, et ainsi de suite. Et comme ça, en fait, ça colle. Il n'y a pas de zone d'ombre pour l'innommé. L'innommé, elle aurait été active tout le temps par active, je veux dire, elle aurait eu un porteur sur le moment, quoi. Quelqu'un qui aurait pu justement être là pour que le môme reçoive les visions de ce qui se passe sur le moment. Donc, moi, je vois ça comme ça. Conclusion en bref du truc. Pour moi, Elrena, Skuld et Lorian, ils sont arrivés
avec Ventus à peu près à la même époque au niveau de Birth by Sleep. Quelques années avant ou quelques années après chacun, quoi. Genre Skuld, elle a l'air d'être arrivée un an après la fin de Birth by Sleep. Ventus est 4 ans avant au moins. Loriam et Elrenoth, on s'en fout un petit peu. Pour moi, éphémère, il est resté dans le passé et il a jamais voyagé dans le temps. Il aurait reçu la Keyblade de la part de Lushu. Lushu, il se serait barré et aurait occupé potentiellement un corps de données, que ce soit celui de Brain ou même de quelqu'un d'autre. En fait, on s'en fout, quoi. Je dis que ça pourrait être Brain, mais on s'en fout totalement. Ça pourrait être n'importe quel autre corps de données. J'irais même jusqu'à dire que ça pourrait être un corps de données de Strelitzia, vu qu'on a vu une data Strelitzia. Mais Strelitzia, je garde ça de côté. Je voudrais vraiment faire une vidéo là-dessus, en espérant qu'on ait un autre trailer de KH3 à un moment, mais ça, je vais pas trop l'aborder. On va le garder de côté. Ouais, voilà, je suis totalement d'accord avec toi sur Chronos, sur ce que tu dis. En gros, ouais, pour moi, éphémère, en fait, il a, que ce soit deux enfants ou non, mais en fait, pour moi, il a eu deux apprentis. Il y en a un qui a eu l'innommé et un qui a eu la garde du maître. Mais du coup, oui, ça collerait avec le côté d'héritier et tout ça dont on parle dans Missing Link. C'est vrai que ça marcherait bien à ce niveau-là. Merde, je me rends compte que j'ai plus de musique en fond. Hop, c'est pas grave. On en remet un petit peu. Alors, je pense que Lushu et Xigburn, ça n'a pas vraiment eu la mode, parce que c'était prévu par sécurité. Du coup, on va passer sur les annonces qu'il y a eu pour les 20 ans. C'était quand ça déjà? Il y a déjà au moins 2-3 mois, quoi, non? C'était quand? Si vous arrivez à me rafraîchir la mémoire, je sais absolument plus quand c'était. Mais en gros, ça fait un moment quand même. Encore une fois, pas d'excuses de ne pas avoir fait de retour là-dessus. Bah, j'ai mis quand même des trucs sur Twitter. Pour une fois que j'utilise Twitter pour ce qui est de cash. Ah, j'ai pas d'OST de Twiwi en réserve. Et moi, Twiwi, ça marche pas trop. Putain, en fait, Vavan Parniak, tu serais pas le Parniak de JVC? C'est peut-être ça. Et je ne savais pas que tu étais encore en vie, si c'est bien toi. Mais du coup, avec les rapports avec Twiwi, ça fait un petit peu trop de points communs pour que ça soit pas toi. Là, je pourrais les OST de cash, mais en fait j'ai peur des trucs de strike et tout ça, donc j'ai des petites musiques personnalisées, je vous en parlerai ensuite. Sauf si elles vous font trop chier mes musiques, mais c'est pas grave. Alors le texte, hop, bye bye, ça part. Et du coup, on va passer sur premier élément des annonces, c'est-à-dire Dark Road. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Dark Road? Eh bien, pas grand-chose. Genre, bah ouais, je sais pas, il pourrait y avoir plein de Parniak en vrai. En tout cas, plaisir de te voir ici. Du coup, Dark Road. Eh bien, j'en attends, franchement, rien. Si on pouvait retirer le jeu du canon, ça m'arrangerait, franchement. Genre, Dark Road, toute ma haine envers KH est canalisée sur ce jeu. Genre, ça s'est accumulé petit à petit, au fil des années. Et en fait, je dis souvent que KH, c'est une relation toxique pour moi. C'est un petit peu comme une femme qui se fait, ou une femme ou un homme, en fait, quand tu te fais battre par ton mari, ton conjoint, ta conjointe, le genre que vous voulez, quand tu te fais tabasser la gueule tous les soirs, mais tu restes avec, parce que tu te dis, il va peut-être changer, il va peut-être devenir bien et gentil au bout d'un moment, et il fera un bon père pour mes enfants.
A priori, je vais pas avoir d'enfant avec Kingdom Hearts, mais la métaphore du fait de se faire taper sur la gueule et de vouloir lui pardonner à chaque fois et se dire il va faire quelque chose de bien. Mais oui, c'est totalement la... quand le chef otaku a fait la comparaison avec DBS, enfin, a fait cette même comparaison pour DBS, c'est totalement ça. Mais moi, ce truc-là, je le dis depuis longtemps sur Kingdom Hearts. Mais là, franchement, en fait, avec Dark Road, j'en suis arrivé au point où j'en ai marre de me faire taper la gueule tous les jours. Et en fait, là, il y a le fusil qui attend. Pas pour moi, bah, peut-être pour moi aussi, mais je pense que j'ai juste envie de tirer sur Kingdom Hearts, quoi. Genre, Dark Road, il va se prendre toutes les cartouches dans la gueule. Je sais pas pour vous, mais moi, là, il y a mon chargeur, il est plein. Et ça va partir sur Dark Road. La fin, elle va arriver. Le jeu, enfin la fin du jeu pourrait potentiellement marquer mon arrêt pour la franchise Kingdom Hearts. Voilà, c'est dit, c'est officialisé. Bon, en vrai, j'aurais pas les couilles, mais je le dis trop souvent ça, mais Dark Road, ça m'a vraiment dégoûté. Et pourquoi Dark Road, ça m'a dégoûté? En fait, KH3 était déjà coupable. Mais si vous me suivez, vous savez que les retcons au niveau de Xehanort et tout ça, ça m'a profondément fait chier. On va pas revenir dessus là et tout. Maintenant, toi, je suis... Comment dire, je suis un peu passé par les 5 étapes du deuil, en fait. C'est... D'abord, il y a le déni par rapport à l'incohérence. J'étais, putain, non, c'est pas possible. Ils ont pas fait ça et tout. Après, il y a la colère. Je me suis énervé devant KH3. Tout le long de KH3, quand on voyait... vu qu'en fait, la première scène de KH3, c'est le passage où on voit le jeune Xehanort Ascala, donc le Xehanort, on va dire gamin, quoi, celui avec la frange et tout, qui a genre, on va dire, 14-15 ans maxi. Du coup, qui est plus jeune que le Xehanort qu'on connaissait d'avant. Attends, cette musique-là, elle est pas du tout dans le thème pour s'énerver, mais c'est pas grave, on va quand même s'énerver là-dessus. Bah, ça me faisait chier, en fait, tout le long de KH3, je me disais, est-ce qu'on va avoir une justification pour nous dire pourquoi, en fait, il y a un Xehanort plus jeune que le Xehanort qu'on a déjà connu, mais qui est déjà porteur de la Keyblade, qui est déjà Ascala de Kaelum et tout ça, et que dalle. En fait, jusqu'à la fin de KH3, j'avais le seum, parce que ça n'a jamais été évoqué. Donc je me disais, ah, il y a potentiellement Dark Road qui va gérer ça. Donc toi, je suis passé par la colère, et il y a eu le marchandage, en fait, avec Dark Road. Dans les premiers temps, justement, mes différentes vidéos à un moment, c'était quasiment, enfin j'en ai fait au moins 3 à la suite, je crois, de vidéos, en fait, de théorie-analyse autour de cette incohérence potentielle, bon, qui est actée, en fait. Il y a plus à tortiller du cul, c'est acté, quoi. Au final, il y a juste un retcon de Xehanort, en fait, il a quitté les îles du destin quand il était gamin, il a fait son entraînement à Ascala de Kaelum. Au final, on s'en bat les couilles du passage à la contrée du départ, sauf si on va peut-être nous le mettre à la fin de Dark Road, là, mais du coup, on s'en fout. Et c'est que plus tard qu'il serait retourné sur les îles du destin adulte, et là, Ansem, en forme sac à patate, manteau marron, là, il serait venu le voir une deuxième fois, et à partir de ce moment-là, il aurait commencé à faire son voyage dans le temps. A priori, c'est ça, mais c'était pas ça, de base. On va pas trop relancer le débat par rapport à ça, mais c'était pas ça. Normalement, c'était justement Xehanort qui avait quitté les îles du destin suite à cette rencontre. Alors que là, au final, du blabla avec Ansem sac à patate, bah, il y en a deux fois, en fait. Mais bon. Du coup, j'ai essayé le marchandage. Ça n'a pas marché. Dark Road m'a chié à la gueule dès la scène d'introduction. J'ai pleuré. Non, j'ai pas pleuré, mais franchement, là, je suis passé par l'étape de la dépression. Genre, je me disais, putain, mais... c'était plus de la... C'était encore un petit peu de colère, mais c'était plus la dépression dans le sens où j'avais mal à mon cache. Je me disais, putain, mais non, Nomura, tu peux plus. Il y en avait des incohérences avant, mais pas de ce niveau-là, donc ça marche plus. J'étais triste. Les larmes du sel, c'est ça, totalement. Et au final, eh bien, je suis maintenant passé à l'acceptation. L'acceptation, c'est celle de se dire que à partir de maintenant,
je vais partir du principe que tout ce qui est dit en interview, donc c'est-à-dire la, je vise du coup la timeline de Xehanort qu'on avait eu dans le, comment ça s'appelle déjà ce truc-là, Ultimania Kingdom Hearts Series, qui était sorti en même temps que 2.5, je crois. En gros, le gros guide récapitulatif de toute l'histoire qui devait nous remettre tout en tête avant Kingdom Hearts 3. Au final, ce guide-là, on considère que c'est de la merde. On considère en fait que toutes les infos qui sont données dedans, elles sont fausses, pour la simple et bonne raison que bah, l'info qu'on a, qu'on avait par rapport à Xehanort, du coup, elle est plus bonne. Et c'est ça le gros problème en fait que j'ai avec ça. C'est que on a besoin des interviews. Cash, c'est bourré de plot holes qui ne sont expliqués que par des éléments qui arrivent dans les interviews. Il y a plein de trucs, genre le retour d'Oxion dans KH3, c'est que en ouvrant l'Ultimania de KH3 que t'apprends que, ah, en fait, c'est le cœur de l'action du passé, du début de l'Organisation 13. Enfin, même le fait que Terra Xehanort, il voyage dans le temps aussi, t'en sais à moitié rien, en fait, quoi. T'as juste Xehanort dans Remind qui nous dit, au final, j'ai placé une partie, enfin, j'ai placé mon cœur dans le corps inerte de Terra, mais tu sais pas, en fait, de quand... tu sais pas quel cœur c'est de Xehanort, tu t'en sais rien du fait que ce soit le cœur de l'époque de Birth by Sleep qui a été pris. Genre, du coup, le problème il est là. Kingdom Hearts est bourré de plot holes. Le seul moyen que Nomura trouve pour répondre à ces plot holes, c'est de donner des infos en interview, alors qu'en fait ça pourrait simplement apparaître dans les jeux. Genre, ça apparaîtrait dans des rapports secrets. Genre, simplement par exemple des petits textes des personnages, un truc par exemple, en fait tous les trucs que Nomura il dit, ça pourrait être réécrit de sorte à ce que ce soit un personnage qu'il dise, même si c'est juste à l'écrit dans des récaps dans le jeu, je prends, à partir du moment où c'est dans le jeu, c'est acté à 100% en fait, on pourrait pas le contredire, mais là du coup en fait j'ai l'impression que Nomura il garde l'excuse des interviews pour avoir ça de côté en fait, en mode j'ai donné une info. Mais bon, c'était dans une interview, donc c'est pas trop grave, en fait, c'est pas forcément vrai. Mais du coup, on a le problème maintenant de toutes les infos qu'on a dans les interviews, on peut jamais se baser dessus. Et du coup, on garde tous les plot holes qu'on a pour toujours, en fait. Tant que c'est pas acté dans les jeux, on n'a pas d'infos. Donc, c'est de la merde. Ça, au final, ça me frustre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Parce qu'en fait, ça me retire toute ma motivation de m'investir dans l'histoire de KH, quoi. Parce que je suis du genre à connaître les lignes d'interview, les passages de... les citations des personnages par cœur et tout ça. Mais en fait, je me dis pourquoi m'investir là-dedans alors que je pourrais faire autre chose. Genre, je pourrais faire du sport et devenir un go muscu trop balèze et tout, là. Mais non, en fait, je suis un geek qui vit pour Kingdom Hearts. Mais en fait, Kingdom Hearts me chie à la gueule. L'histoire n'a plus... Enfin, si, elle a quand même du sens dans ce que ça veut raconter, mais... voilà, c'est bourré d'incohérences et ça me fait chier. Mais j'y vois quand même un petit point positif. C'est que... je vais réussir à y trouver du bon. Parce que maintenant, ce que je me dis, et c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai pas fait de vidéo depuis un bon moment... C'est qu'en fait, vu que j'ai plus forcément envie de m'investir dans l'histoire même de KH, donc vraiment faire des théories sur quel rebondissement on pourrait avoir et tout ça, j'ai plus en fait envie de détourner les thématiques et les événements de KH pour parler d'autre chose. Je sais pas si ça vous botterait d'avoir des vidéos de ce genre-là, mais ça pourrait être simplement de l'analyse de personnages ou de raconter ma vision de la psychologie du personnage et parler d'autres trucs en plus avec ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa à ce sujet. Je vais faire une petite pause dans mon blabla et vous lire. Hop, tout, qu'est-ce que j'ai loupé? Ouais, je supporte la violence conjugale totalement. Ouais, carrément ça, hop. Alors, je pourrais effectivement jouer à FF. J'imagine que tu veux certainement parler de FF14, mais j'ai pas envie de payer l'abonnement et je suis pas trop... Je vais revenir après là-dessus, même si j'en ai déjà parlé, que en fait, moi, FF, c'est pas trop mon kiff, quoi.
Ah ouais, toi t'as la talk no jutsu de la fin de Xehanort en tête. Le mémorial Ultimania, ouais, c'est ce que je disais. Salut Sonic. Oui, je pourrais mettre Death Chamber, mais c'est vrai que c'est la meilleure OST de Sonic ever. Mais j'ai un petit peu peur de. Bon, en même temps, je m'en fous du strike. Mais justement, Strikers. Mais ça me ferait chier que le live s'arrête directement à cause d'une musique. Mais totalement, je vais totalement écrire des fanfictions érotiques avec Saïx, je pense. Ça va partir sur des trucs avec Saïx crucifié qui se fait lécher les tétons par Xehanort, ce genre de choses, je pense. C'est totalement mon délire. Je plaisante, évidemment. Enfin, je plaisante un tout petit peu. C'est le genre de truc que j'écris dans mon coin tout seul et je n'en fais profiter personne. Non, je rigole. Mais du coup, je voudrais juste rebondir sur un truc que tu disais, Nanashil, sur le talk no jutsu de la fin de Xehanort. Ouais, je pourrais mettre Death Chamber. Mais il y a des paroles dans Death Chamber, ça va perturber et tout. Je vais pas plus nous ambiancer que ça. J'ai peut-être d'autres musiques que je pourrais mettre. Je vais voir après. Je veux juste parler d'un truc avant. C'est. En fait, un autre truc qui me fait chier avec Dark Road, c'est qu'on cherche à nous faire du drama pour rien. Putain, ma chaise grince à mort, ça m'énerve. Je vais allumer ma lumière. C'est trop drôle en fait que. Bon, ceux qui me connaissent en vrai et tout ça ont l'habitude de m'entendre parler comme ça. Mais en fait, dans mes vidéos, je prends une voix sombre, grave et tout. Bon, en général, c'est parce que je m'enregistre le soir et que j'ai pas envie de réveiller ma copine. Et là, en fait, je pars totalement en roue libre. Je raconte des conneries parce qu'en fait, en vrai, je suis quelqu'un de rigolo. Les OST de jeu se font pas strike. Ok, bah, je vais voir. Je vais peut-être faire une petite pause après et changer de playlist. On va mettre celle-là, l'ambiance plus. Ce qui me faisait chier, ouais, du coup, dans Dark Road aussi, c'est qu'on nous fait du drama sur Xehanort, mais je vois pas l'intérêt du drama. En fait, pour moi, Xehanort, il se suffisait largement. À ce qu'on avait avant, quoi. Alors, ok, ils ont un petit peu changé sa manière de voir les choses dans KH3, où au final, on nous dit, ah, j'ai fait tout ça pour le bien de un peu de l'humanité, quoi, dans le sens je voulais reset le monde, détruire les ténèbres et tout. Bon, dans Birds Why Sleep, il voulait plus l'équilibre et concrètement, le mec, il voulait un petit peu dominer le monde. Mais je trouve qu'en fait, ses motivations, comment elles nous sont présentées dans les rapports de KH3, non, de Birds Why Sleep, justement, bah, ça suffisait en fait. J'avais pas besoin du bullshit classique à base d'amitié, traumatisme, oulala, il a perdu ses copains quand il était jeune à cause des ténèbres. Ouh, du coup, il veut se venger, et il va devenir méchant à son tour. Putain, c'est. Non, Xehanort, c'était pas ça. Xehanort, c'était un enculé, en fait, c'est tout. Mais le personnage était bien parce que c'était un enculé pur et dur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était juste un mec qui avait soif de curiosité et qui voulait savoir ce qu'une nouvelle guerre des Keyblade ferait. Simplement dans le sens où. On lui a toujours parlé de cette grande guerre et tout en mode truc mythologique. Le mec il s'est juste dit, putain, moi je suis personne. J'ai mon pote Heracus, le sang bleu là, qui descend des premiers maîtres et tout. Moi je suis juste un lambda des îles du destin. J'ai envie que ma destinée soit grandiose et je vais créer une nouvelle guerre des Keyblade, quoi. Moi je le voyais ça comme ça. Ok, il y avait l'excuse du, bah, je veux un équilibre et tout ça, mais. Je pense vraiment que l'équilibre, c'était du bullshit pour moi. C'était pas du tout ce que Xehanort il voulait. C'était son excuse. Auprès d'Héracus, c'était sa manière de le dire. Il lui disait, non, mais tu sais, les ténèbres, elles ont un petit peu le droit d'exister aussi. Mais en vrai, c'était pas ça. Pour moi, c'était clairement, il voulait le pouvoir. KH3, du coup, a annulé ce truc-là. Et Dark Road a rajouté des clous par-dessus. Parce qu'en fait, KH3, tu peux juste te dire, bah, entre-temps, il a peut-être mûri sa réflexion entre Birds Why Sleep et KH3, tu peux te dire, Xehanort, au final, il veut plus simplement le pouvoir. Il se serait rendu compte que justement, à force de tuer les ténèbres, que les ténèbres, c'est de la merde aussi. Et que, bah, du coup, autant tout annihiler, faire revenir le monde de zéro. Et je me dessine. Xehanort se dessinerait en tant que nouveau maître du monde qui réécrirait le monde
d'une manière plus juste. Là, ça marche. Mais avec Darkrai, ça marche aussi. Mais on nous rajoute du pouvoir, enfin pas du pouvoir de l'amitié, mais en gros du blabla. Du blabla à la con de il a perdu ses amis, et du coup il est triste et du coup il va sur le chemin des ténèbres, quoi. Ou alors, il faut qu'on nous fasse, dans Darkrai, que Xehanort s'en bat les couilles de ses potes. Ou mieux, que ce soit Xehanort qui ait tué ses potes. Mais pas genre il a tué ses potes parce qu'il était contrôlé par les ténèbres, un truc comme ça. Non, genre, faudrait qu'il ait tué ses potes en étant totalement conscient. Et il aurait pas tué Irakus, soit parce que Irakus s'est bien défendu, soit parce qu'il aurait pas eu... Il n'aura pas eu les couilles de le faire avec Irakus, parce qu'Irakus, c'est son best bro, quoi. Et si on nous fait ça, si on nous fait Xehanort qui a buté les autres, là, je prends. Bon, ok, il y aura toujours les incohérences sur la timeline et tout ça, mais bon, ça, on va finir par le digérer. Mais si Xehanort nous est bien dépeint comme étant un enculé, j'insiste sur le terme enculé, non, enculé, c'est un peu homophobe. Enfoiré, ça passe mieux. Ouais, si on insiste sur le fait que Xehanort soit un gros enfoiré, là, je prends. Il va peut-être juste oublier ses potes, hein. Mais après, s'il les oublie en mode « En fait, j'en ai rien à foutre d'eux, qu'ils meurent ou pas, je m'en fous totalement. » Là, je prends. Mais je veux tout sauf l'excuse du « J'ai perdu mes potes, je suis triste et du coup, je suis devenu méchant, quoi. » C'est chiant. Oui, ça se trouve, ses potes, ils vont même pas mourir. Mais bon, vu qu'on les voit plus et vu qu'il y a des tombes et tout ça. D'ailleurs, je me suis toujours demandé... Genre dans l'univers de Kingdom Hearts, c'est parti d'où le fait de créer des tombes. Quand les gens y meurent, ils disparaissent en petite lumière. Genre, pas des tombes, quoi. Genre, ça fait un enterrement, justement, quoi. Ça, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Genre, dans les cultures où tu enterres pas tes morts, il y a plus des petites... tu mets juste des petites bougies avec une photo ou un truc comme ça, tu fais pas des vraies tombes. Je trouve ça trop chelou. Mais bon, c'est comme ça, ça parle à l'esprit de tout le monde, se dire tombe égale personne morte. Après, à voir qui sont ces morts. Du coup, Darkrai, pour conclure sur Darkrai et passer à la suite, Darkrai, j'en attends strictement rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. En fait, pour moi, c'est déjà de la merde. Enfin, j'ai même pas parlé du fait que le jeu, c'est une arnaque. Enfin, pas une arnaque dans le sens où il faut mettre de la thune, mais peut-être, mais c'est le jeu le plus chiant au monde. Je préfère jouer au Démineur. Je disais souvent que quand j'ai lancé Darkrai au tout début, je me suis dit putain, Darkrai en fait c'est un simulateur de perte de batterie. C'est tu lances ton portable, tu cliques sur l'application, tu lances un combat et ah ouais, il faut tuer des pastèques pendant une demi-heure. Bon bah hop, mode auto et tu touches pas à ton portable, tu le laisses sur le côté et voilà, c'est fini. Et tu fais ça tout le temps parce que le système d'XP il était complètement bidon. Oui, le pinball de Windows XP est mieux. Tout est mieux. C'est vraiment le pire truc. Après, du coup, je me dis que... Est-ce qu'ils vont retravailler le gameplay pour la mise à jour? Est-ce qu'ils vont retravailler le gameplay pour la mise à jour? Je viens de me poser la question, là. Mais... Je pense pas. En fait, genre, est-ce que quelqu'un attend le retour de Darkrai déjà pour y rejouer? Non. On attend le retour de Darkrai pour la fin de l'histoire, c'est tout. Fin de l'histoire qui est Osef, en fait. Enfin, je sais pas. En fait, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la fin de Darkrai qui soit vraiment intéressant. Parce qu'en fait, c'est une histoire, en gros, c'est un bonus pour nous raconter des trucs sur Xehanort. Mais c'est bon, Xehanort, c'est terminé. Sauf si on nous fait le revenir encore une fois, mais... Du coup, enfin, quel est l'intérêt? Narrativement, quel est l'intérêt de Darkrai? Xehanort, ça suffisait. En fait, s'il y avait besoin de faire Darkrai avant le reste... est-ce qu'ils vont pas en faire que des cinématiques? Et en vrai, j'ai un doute, hein. Est-ce qu'ils ont... Si, on a vu des passages de gameplay ou pas? Dans la bande-annonce? Oh, j'ai pas un truc avec la bande-annonce de côté, là. Ah non, j'ai pas. Ça me fait trop chier. Après, ouais, Darkrai et l'histoire de Xehanort, ouais, ça peut parfaitement être une excuse pour raconter quelque chose de plus.
ça peut être le moyen d'enchaîner sur Missing Link. Et peut-être un truc par rapport à KH4, mais. Si, je sais pas. J'ai du mal. Ah, c'est que on a vu que des cutscenes. Ouais, mais est-ce que. Enfin, ouais, on sait pas s'il y aura du gameplay ou pas. Et s'il y a pas de jeu, tant mieux quoi. Enfin, je vais peut-être réinstaller l'application pour voir les cutscenes en direct. Ça me motive pas trop là pour l'instant. Enfin bref, on va arrêter de parler de Dark Road parce que je vais m'énerver. J'avais dit que j'étais à l'acceptation, mais en fait non, je suis encore à la colère. Je suis passé par toutes les étapes et rien que le fait d'en parler me fait revenir à la colère. Bon, c'était KH3 à la base, mais toute la haine est partie sur Dark Road. Dark Road égale chiant. Bah, si c'est là pour introduire la suite, bah on attend devant la suite. Ouais non, faut pas refaire revenir Xehanort quoi. Ou alors, j'excuse s'il revient, mais genre, ils font une invocation, Tokunojutsu, invocation de Xehanort, pouf, il arrive en mode fantôme, et il te fait juste un petit blabla sur, je me suis fourvoyé sur ce chemin, mais... Ouais, non, en fait, après une redite déjà avec ce qui s'est passé dans Melody of Memory, même si c'est pas le même Xehanort, mais... Putain, j'ai pas prévu de parler de Melody of Memory, mais c'est peut-être un peu trop lointain et j'ai rien de spécial à dire là-dessus, en fait. Ouais, c'est vrai que Dark Road, il introduit le concept d'héritier, mais en fait, le concept d'héritier, on l'avait déjà un petit peu avec le côté descendant sans bleu qu'on nous parle dont on nous parle dans KH3. Ok, Parniak, pas de retour de Xehanort. Par contre, un petit retour de Xemnas, là. Oh, mama, ça, je prends. On va voir ce qu'ils en font, non. Faut peut-être mieux le laisser mort. Mais tous les autres simili, ils ont eu le droit de revenir en mode individualité et tout. Xemnas, par contre, poubelle, quoi. C'est le mec, il avait son propre cœur. On sait pas ce qu'il est devenu, son propre cœur. Mais il est juste crevé, quoi. Genre... Les autres, ils sont revenus dans leur être de base et tout, mais... Enfin, le problème, du coup, c'est que si on fait revenir Xemnas, ça fait un peu bizarre qu'il n'y ait pas Anselm. Et faire revenir Anselm, c'est trop galère. Il va y avoir trop de conneries. Ah oui, héritier légitime. Oui, ça fait la différence. Ok. Tu vois, en fait, genre... la poutre de Bamoko, super pseudo au passage. Sur Scala de Kailoum, en fait, tu vois, moi c'est pareil, j'ai un peu le seum dans le sens où bah, je voulais voir l'histoire par rapport à la contrée du départ, en fait. Je m'en fous de Scala de Kailoum. Moi, dans KH3, on aurait dû. Enfin, en fait, si t'imagines, genre, on va dans le cœur de Xehanort et tout ça, on nous a introduit d'un coup Scala de Kailoum en mode waouh, super ville et tout. En fait, non, déjà, ça fait. C'est une petite map ridicule du niveau de la cité du crépuscule dans KH3, donc c'était de la merde. En termes de jeu pur, c'était nul en fait. Même en termes d'histoire. En fait, moi, si tu me montres un truc important par rapport à Xehanort, genre en mode Xehanort, on arrive dans le monde le plus important pour lui, soit ça aurait dû être les îles du destin, parce que du coup, c'est de là d'où il vient. Bon, finalement, maintenant, on y vient de ce cas-là. Putain, quelle connerie ça aussi. Soit du coup, tu nous fais les îles du destin, soit tu nous fais la contrée du départ, quoi. C'est là qu'il s'est entraîné avec Héracus et tout, normalement. C'est censé être. L'endroit emblématique pour moi, quoi. Enfin, en fait, quand je pense Xehanort, je pense Birth by Sleep. Je pense Birth by Sleep, je pense Nécropole des Keyblade, et je pense Contrée du Départ. Mais Contrée du Départ, a priori, on s'en fout totalement. Ils ont peut-être prévu de nous en parler juste à la toute fin, en mode oh là là, Scala Kailoum est détruit, du coup, on va dans un nouveau monde. Mais pff, si c'est juste pour le voir à la fin. Je suis sûr que ça va être genre, tu sais, les cutscenes comme à la fin de Union Cross où c'est juste une scène de 2 secondes où tu vois Xehanort et Héracus en train de se donner des coups de Keyblade à la contrée, ils s'entraînent et puis voilà, enfin quoi. Voilà, bon, enfin bref. On arrête sur Dark Road. On ne revient pas sur Dark Road. On se remet juste ça, 2 secondes pour souffrir.
Hop, voilà, on souffle, on regarde tout ça, on analyse bien, on se dit que rien ne va, mais on en fait abstraction. C'est terminé. On digère la pilule totalement. Oui, je me parle à moi-même en disant ça. La suite, c'est quoi? Putain, j'avais des notes de base, mais je suis parti totalement ailleurs. Franchement, ma haine est sortie. C'est dit. Bah oui, la contrée du départ, c'est le... En fait, non, justement, là où je voulais en venir, c'est que dans la timeline de le KH Ultimania, Memorial Series ou je sais pas quoi, le gros truc qui résumait tout, en fait, on nous disait que Xehanort et Heracus, ils se sont entraînés à la contrée du départ. Kailoum n'existait pas. C'était Xehanort. Il fait son. Il vient des îles du destin. Il rencontre Anselm le chercheur des ténèbres en forme robe marron là. Il fait son voyage dans le temps. Il revient à son époque. Par voyage dans le temps, j'entends tous les événements de KH3D et KH3 si on veut. Il revient à son époque. Toutes les infos sont restées gravées dans son cœur, même s'il n'en a pas mes souvenirs littéralement. C'est ça qui le motive à quitter son monde. Xehanort nous le dit dans KH3D, quoi. Il dit que tout ce qui se passe, c'est ça qui va le motiver à quitter son monde. Et du coup, il était déjà adulte, et c'est à ce moment, à partir de là, du coup, qu'il allait normalement à la contrée du départ pour s'entraîner et devenir un porteur de la Keyblade. Sauf que du coup, tout ça, on oublie. En fait, il est parti des îles du destin avant son voyage dans le temps, ce qui, du coup... Du coup, c'est nul. Ça enlève justement tout le fait qu'en fait son voyage dans le temps n'a plus aucun intérêt en fait. Parce que s'il a fait son voyage dans le temps alors qu'il avait déjà quitté son monde et était déjà devenu un porteur de la Keyblade, bah, le voyage dans le temps lui a fait aucune motivation. Ou la motivation que ça pourrait lui avoir donné, c'est juste je vais devenir le méchant chauve. C'est juste ça du coup, mais c'est pas ça le propos dans KH3D. Propos du jeune Xehanort de KH3D, c'est que c'est un mec déprimé qui est resté sur son monde trop petit depuis toujours, comme Eriku en fait, c'est Eriku quoi, c'était littéralement ça, et que son voyage dans le temps l'a complètement motivé justement à se dire ce monde c'est de la merde, je vais me tirer. Sauf qu'au final, non, là il s'est juste tiré parce qu'il y a un mec chelou qui est venu lui ouvrir un portail des ténèbres et il s'est dit bon bah j'y vais. Ça marche aussi, mais en fait, juste du point de vue de Dark Road, ça marche. Mais du coup, KH3D ne marche plus. Alors que c'était. Enfin, en fait, on va tous. Autant, en fait, au final, j'ai appris à bien aimer KH3D, parce qu'il y a toute l'atmosphère onirique et tout ça, le truc où on s'y perd et tout, mais je trouve que, mine de rien, en fait, il y a quand même enfin, il y a une bonne ambiance, et le jeu raconte pas mal de choses du point de vue de ses personnages. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. On fera peut-être ça une autre fois, mais et enfin au final là du coup vis-à-vis de Xehanort ça n'a plus aucun intérêt. Mais j'ai dit on arrêtait. Ok? Plus aucun message sur Dark Road et sur la timeline et tout ça. Plus rien. Promis, on arrête. Maintenant, on passe à Missing Link. Qu'est-ce qu'on attend de Missing Link? En vrai, pas grand-chose aussi. Déjà, c'est encore un jeu mobile. Et du coup, ça fait chier. Alors, moi, il y a eu un truc vachement drôle, c'est qu'en fait, je me suis hypé de ouf devant le trailer. J'ai pas envie de faire des trailers, enfin, comment on dit? Ouais, trailer reaction et tout ça, parce que je crie comme un hystérique. Mais c'est pas du surjeu, en fait, parce que je le fais tout seul chez moi. Mais mes voisins doivent avoir peur en m'entendant, je veux dire, mais... Quand il y a eu le trailer de Missing Link, je me suis hypé de ouf comme un con, parce qu'en fait, l'avatar de base de Player, le petit blond qu'on voit à droite avec son chapeau blanc là, j'ai cru que c'était Louche. Je sais pas comment vous le dites, Louchord. Luxord, comme diraient les Français. J'ai trop cru que c'était Louchord, quoi. Je me suis dit, putain, c'est un blond avec les yeux bleus. Je trouve qu'il avait un faciès un peu dans le même genre. Genre un avec un menton assez dessiné. Ben non, ouais, si je parle de Missing Link, on va partir sur Dark Road, évidemment, mais on va essayer d'éviter. En plus, il a le. Comment ça s'appelle? Il a une petite oreillette. Mais en fait, sur le coup, j'ai cru que c'était des boucles d'oreilles. Du coup, je me suis dit, putain, mais c'est l'humain de Louchard, quoi, c'est obligé. Du coup, j'étais trop en mode, un truc de ouf, ils vont nous faire
un jeu annexe sur Louchard quand il était humain, truc de ouf et tout. En fait, non. En fait, non, c'est juste un player en bis, quoi. Parce qu'après, on voit que le personnage, on peut le personnaliser. C'est une waifu avec des longs cheveux et tout à un moment. Donc, du coup, bah, a priori, c'est pas Louchard. Sauf si Louchard est la réincarnation de ce player-là. Mais du coup, c'est pas ça l'intérêt, quoi. Mais sinon, j'aime beaucoup l'esthétique, en fait, de ce Scala Kailum-là. Je préfère ce Scala-là. Scala-là. Squalala! Je préfère largement le Scala noir, comme ça, ambiance gothique, âge victorien et tout. Je trouve ça super cool. J'aime bien l'esthétique du Scala plus grec. Je sais pas si c'est la Grèce moderne ou... Ouais, après, la Grèce moderne, ça fait quand même un petit peu antiquité quand même. Ouais. Il est sorti tout seul, celui-là. Je parle trop. Il faut que je boive. Hop, petite pause, boisson et lecture. Effectivement, nous sommes partis. Ah, t'as cru que c'était Ventus? Et en vrai, ça aurait été sympa aussi. En fait, ça aurait pu être n'importe quel personnage, ça aurait été sympa. Mais le fait que ça soit encore un player, donc un personnage dont on s'en fout en fait. Player, il n'a pas de personnalité. Que le player de UX il soit devenu Xehanort, ça fait rien en fait, on s'en fout. C'est juste pour caresser un petit peu dans le sens du poil le joueur et lui dire hey, regarde, c'était ton personnage en fait, Xehanort, depuis le début. Mais ben, on s'en fout quoi. À l'aérophagie, si ça vient un petit peu là. J'essaie de me retenir de pas roter en live, mais c'est un petit peu dur quoi. Mais du coup, ouais, enfin. Aucune hype. Franchement, vraiment aucune hype sur Missing Link. Je ne vais pas y jouer. Je vais peut-être télécharger et m'en servir pour personnaliser les personnages comme si je jouais aux Sims. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Ok, ils vont peut-être nous raconter des trucs bien, étendre le lore et tout ça. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas, en fait, qu'on raconte quelque chose de plus. Je veux qu'on... Enfin, je me trompe dans mes mots. Je veux pas qu'on raconte encore une autre histoire avec d'autres personnages, qu'on nous amène de nouveaux concepts et tout ça. Héritier, sang bleu, blablabla et tout. C'est pas ça que je veux. Si on nous fait des retours en arrière, pour moi, ça serait pour parler des différents plot holes qu'il y a. La fameuse Keyblade que Riku sort de son cul pour parler à Kairi, pour donner à Kairi, quand il lui donne l'appel du destin, là. Bah, genre franchement tu me fais un jeu sur pourquoi Riku a la Keyblade de Kairi, bah, je prends. Ça serait nul comme jeu sûrement, mais je prends. Alors que là en fait, c'est nous rajouter des choses qui ne sont a priori pas nécessaires. Surtout que le fait que ça soit encore dans le passé, bah je trouve que ça enlève ça enlève un peu le côté dramatique de la chose, parce que tu sais d'une certaine manière comment ça va se finir. Ça va se terminer par bah, l'époque qu'on a avec Sora et tout, quoi. On sait qu'il va pas y avoir de grand cataclysme qui va tout détruire et que tous les personnages vont mourir encore une fois. Ça peut être le cas, mais ils vont tous revenir à la vie d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui me fait chier avec les retours en arrière. En fait, ils nous ont fait le coup avec Burst by Sleep une fois. Burst by Sleep, ça marchait plutôt bien. Et encore, je suis sûr qu'en fait, tout ce que je reproche à genre Dark Road, UX et Missing Link, en fait tu peux totalement le reprocher à Burst by Sleep, quoi. En fait Burst by Sleep ça a aussi été un jeu où on prend des trucs du passé pour raconter des nouvelles choses mais qui sont pas forcément nécessaires. Genre le délire de la X-Blade, on va le dire comme ça à l'oral, ça passe plus simple. Le truc de la X-Blade et tout, même si j'aime bien, bah c'était pas nécessaire. Il y avait d'autres trucs à raconter. Bon au final maintenant c'était il y a... Burst by Sleep c'était quoi? C'était il y a 15 ans, donc... c'est bon, on s'y est fait, et maintenant ça fait partie du... Enfin, maintenant, en gros, on se dit que le point de non-retour, c'est 3D, quoi, mais BBS était déjà un point de non-retour aussi. Chaque cache est un point de non-retour, quoi. Chaque cache, c'est un clou en plus. Mais il faut s'y faire. Ouais, carrément, le jeu, il aurait pu tourner sur Switch. Pourquoi c'est pas un jeu console?
Après, si c'est l'excuse du ça facilite le multiplayer et tout, peut-être, mais on en parle du multiplayer, c'est un Pokémon Go-like. Vous voyez aller, je sais pas, faire un footing le soir en vous disant c'est pour aller taper des 100 coeurs et puis débloquer des figurines de Donald. Putain, qu'est-ce qu'on en a à foutre quoi? On a mieux à faire. En tout cas, moi, j'ai mieux à faire quoi. C'est ça en fait, ouais, les retours dans le passé ils servent à introduire le futur, mais le problème c'est qu'il y a d'autres choses à raconter. Par exemple, Birth by Sleep, ça me va parce que ça nous raconte qui était Xehanort. J'aurais préféré que ça soit juste Xehanort l'apprenti depuis le début et qu'il n'y ait pas le truc du en fait, c'est un vieux qui a possédé un autre mec et tout ça. Ah ouais, c'est parce que ça passe par Google Maps. Mais voilà, du coup, ce truc-là, ça, d'une certaine manière, j'aurais préféré que Xehanort, ça reste juste un scientifique qui a fait des merdes. Là, je vous lis en même temps. Du coup, ouais, on va enchaîner sur autre chose. Mine de rien, c'est quand même sympa de voir Brain en 3D. Parce que j'aime bien le personnage en fait. Il vient de Union Cross, il aura a priori potentiellement des liens avec Darkrai. On ne parle plus de Darkrai, on le dit. Je te tais. Mais ouais, ça fait plaisir de voir Brain comme ça. Est-ce qu'on le reverra dans d'autres jeux avec une meilleure gueule? Parce que ça fait un peu chier quand même qu'il soit sur le moteur graphique de jeu. Mais bon. Est-ce qu'on parle des problèmes qu'il pourrait y avoir? Alors, on va faire vite là-dessus. Il y a un truc qui pour l'instant me fait peur avec Missing Link. Même si j'en attends pas grand-chose, il y a un truc qui me fait peur. C'est ce passage-là que Chronos nous a traduit. Donc, Chronos de Kingdom Hearts Island. C'est, en fait, Nomura nous a donné l'information que... je relis la ligne... Missing Link se déroule environ 4 générations après l'époque où Éphémère était encore en vie. Est-ce que Nomura se rend compte de ce que c'est 4 générations? En fait, une génération, c'est le temps qu'une nouvelle génération naisse, quoi. Donc c'est le temps que les personnes y fassent des gamins, donc on va dire entre 20 et 30 ans, quoi. On va dire 25 et 30 si il veut, quoi. Mais du coup, 4 générations, ça fait à peine 100 ans. Donc là, la multitude de personnages qu'il va y avoir dans Union Cross, non, dans Missing Link, pardon. Tous les différents joueurs, toutes les factions et tout ça, qui sont censés être en partie des descendants d'Éphémère, déjà que Éphémère, on sait pas comment il a fait pour trouver des gens, pour repeupler le monde. Mais putain, c'est censé être moi le lapin, mais là c'est éphémère le lapin quoi. Il a repeuplé le monde de ses descendants en l'espace de 100 ans quoi. En l'espace de 100 ans, il y a toute une... Oui, je pense qu'il y a simplement des... Il a dû récupérer des dents de lion ou une connerie du genre qui ont survécu ou je sais pas quoi. Ou simplement les gens ils sont revenus naturellement au monde ou des cœurs sont nés naturellement, mais... Mais 100 ans c'est peu. Enfin c'est... Je trouve ça vraiment choquant. Et c'est encore plus choquant, du coup, si on se dit que... Est-ce que Missing Link, c'est proche de Darkrai? Parce que moi, ce qui me fait dire que Missing Link... Putain, j'arrive pas à le dire. On va dire ML. Le fait qui me fait dire que ML, c'est proche de Darkrai, c'est Brain. Pour moi, ça semble plus ou moins acté que Brain, c'est le... C'est le grand-père d'Éphémère, quoi, je pense. Ou du moins, je pense que ça va être ça au final. Après, si c'est juste son aïeul, si c'est son arrière, et vous ajoutez 10 lignes de arrière et grand-père, et qu'il y a au final 1000 ans entre UX et Darkrai, ça me va. Mais en fait, si, parce que moi je soupçonne en fait le vieux en capuche marron dans en capuche bleue dans Darkrai qui récupère Xehanort bébé, et non, du coup, c'est à la fin de UX, qui récupère Xehanort bébé et le met sur les îles du destin. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être Brain en fait, une fois qu'il est vieux. Du coup, allez, on va dire c'est maxi 100 ans à nouveau plus tard, donc c'est ça en fait, ça nous donnerait
Genre, bah, 200 ans entre UX et Dark Road, c'est ce que j'avais mis dans mon tweet. Mais c'est pas assez. Surtout que, en fait, le Scala qu'on voit dans Dark Road, non, qu'on voit à la fin de UX, mais du coup, le Scala, en fait, de la naissance de Xehanort, c'est le même Scala visuellement que le Scala noir de ML. Après, à voir est-ce que c'est vraiment pour une indication temporelle ou pas, mais je trouve ça bizarre. Parce qu'en fait, je me dis, s'il n'y a vraiment que 100 ans, 200 ans, c'est quoi l'excuse pour que tout le monde, en fait, ait limite oublié la légende de la guerre des Keyblades? Parce que c'est censé être quand même un minimum frais, du coup. Je veux dire, si, genre là, la Première Guerre mondiale, c'est il y a 100 ans, on s'en souvient. Enfin, pas nous personnellement, mais on a des traces et tout ça, quoi. Là, qu'est-ce qui ferait qu'il n'y ait plus aucune trace de ce qui s'est passé avant? Au point où tout ça est devenu une légende. C'est comme ça qu'on nous le présente. Genre, ça voudrait dire que Éphémère, il a parlé de ça à personne. Mais du coup, quel intérêt, quoi? Justement, normalement, le principe, c'est il y a eu une guerre. On transmet l'info pour que la guerre ne se reproduise pas. Justement, cacher la guerre, ça n'a pas l'intérêt. Sinon, la guerre, elle revient, quoi. C'est ce qui se passe au final avec H3. Xehanort, on lui a parlé de la guerre, des Keyblades. Il a toujours vu ça un peu comme une légende et il veut voir ce que ça ferait d'en avoir une nouvelle, quoi. Il n'a pas forcément en tête les conséquences. Bon, ce qui est un peu con au final, vu qu'il a une partie des souvenirs de player, donc il est censé avoir ça en tête. Mais bon. Non, mais la légende de la Keyblade, elle n'a pas été oubliée. Mais c'est devenu une légende, justement. C'est devenu un conte. C'est devenu quelque chose dont on est incertain. Même nous, à notre époque, on arrive à prouver qu'il y a eu l'existence quand même de Jésus. Donc, il y a 2000 ans quand même, quoi. Et là, eux, en 100 ans, ils sont plus capables de savoir si un truc est vrai ou pas, quoi. C'est ça qui me perturbe. Mais du coup, je croise simplement les doigts pour qu'il y ait un gros, gros gouffre temporel entre UX, bah, Missing Link et Dark Road. Pour moi, il faut pas que ça soit à la suite. Du moins, à la suite, je veux dire, faut pas que ça soit en l'espace de quelques centaines d'années, ça marche pas, quoi. Pour moi, ça marche pas. Et le truc qui fait que ça marche pas, c'est que Lushu, dans ses rapports secrets, il nous dit bien qu'il a vécu des siècles et des siècles, au point de plus savoir combien de vies il a eu. S'il y a eu que 200 ans entre-temps, c'était pas des siècles et des siècles, quoi. Pardon, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça fait 2 siècles, mais putain, il a la mémoire courte, du coup, Lushu, quoi, s'il n'arrive pas à se souvenir de ce qui s'est passé en 200 ans. Bon, moi, j'arrive pas forcément à me souvenir de ce que j'ai fait la veille, mais quand même, ça marche pas. Ou alors, Nomura s'est gouré en disant génération, et ce qu'il voulait dire par génération, c'est 100 ans, et du coup, ça fait 400 ans. Ça passe. Ou ça se trouve, c'est des générations carrément de portants de la Keyblade, genre Scala et Kaelum auraient été détruits plusieurs fois et tout, et du coup, on considère que à chaque fois que l'ordre des porteurs de la Keyblade est reconstruit, c'est une génération. Et du coup, là, ça peut être même plusieurs millénaires. Là, ça le fait. Mais encore une fois, on nous donne des infos dans les interviews. Ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, ah ouais, cool, il y a du contenu. Et en fait, limite, on s'en bat les couilles. Soit ça contredit quelque chose, soit ça va être contredit par la suite. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Du coup, vu que ça n'a pas d'intérêt, je vais arrêter là-dessus. Je regarde juste ce que vous dites dans un dernier temps vis-à-vis de Missing Link. On va voir si on passe au BG, le KH4, juste après. Ouais, c'est vrai, il peut développer Alzheimer, mais quand même. Après, si on nous sort que Lushu il a Alzheimer. Et que ça accentue le côté totalement je sais pas, cartoonesque un peu de Xigbar, de Lushu et tout, je prends. Franchement, si c'est vraiment pourri, mais si on nous dit juste de. Tu vois, si quand il nous fait le blabla, quand il fait le blabla aux oracles en mode oh, j'espère que vous aimez les longues histoires. Si en fait c'est une longue histoire juste parce qu'il n'arrive plus à s'en souvenir, je prends. Je trouve ça super drôle et j'accepte.
C'est pas faux, on se base aussi sur une trad, à voir si justement Xehanort il voulait. Xehanort, putain, Nomura, lapsus révélateur. Xehanort est une incarnation de Nomura. Ou Nomura est-il une incarnation de Xehanort? Franchement, si on a juste Louchou qui nous dit, bon, je sais plus en fait, c'était il y a trop longtemps, je me rappelle plus bien de ce qui s'est passé. C'est pour ça que je savais plus où était la boîte noire. Je trouve ça trop drôle, je prends. Du coup. Alors, j'ai fait mon petit blabla sur. Je regarde mes notes. Missing Link, je voulais rien dire de plus. Ouais, c'est un gacha, ça fait chier, mais ça rentre dans la thématique jeu mobile. Hop, on va passer à la suite. En parlant de Nomura dans KH4, on va enchaîner sur KH4. Et là, c'est la grande question. La fin de UX, ça m'a plu. Mais voilà, sans plus. Dark Road, je m'en bats les couilles. Missing Link, je m'en bats les couilles. Et qu'en est-il de KH4? Eh bien, en fait, je sais pas. Bon, après, on a vraiment peu d'infos sur KH4 aussi. Même Missing Link, en fait, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc, c'est un peu du blabla dans le vide. Mais en gros, l'impression, simplement, je sais pas, en fait. Genre, les premiers trailers de KH3, ça me faisait un truc de ouf. Les premiers trailers de KH3, j'étais trop en mode, oh putain, il y a KH3, quoi. Là, il y a KH4, j'ai pas cette hype. C'est peut-être parce que KH3, du coup, est sorti il y a relativement... pas longtemps, ça fait 3 ans quand même, putain, on vit dans un monde où KH3 est sorti il y a 3 ans, ou 4. Oh non, il y a 3 ans. Ouais, du coup, il y a 3 ans. Mais du coup, maintenant, ça veut dire que on parle de KH4. Genre, on est dans un monde où c'est bon. KH3 est sorti il y a 3 ans, on est même sur KH4. C'est quand même dingue de dire ça. En fait, je suis hypé juste par ce que ça représente pour nous. Mais sinon, en fait, le KH4 en lui-même, il y a l'esthétique un petit peu Final Fantasy qui, moi, je vais pas dire que ça me rebute, mais j'ai jamais aimé les FF, en fait. Ça peut paraître bizarre de dire ça, vu que KH, à la base... C'est un mix entre Square et Disney, justement, en accentuant le côté Square par la présence des personnages FF, même si ça s'est rapidement dilué au fil des épisodes. Mais je sais pas. J'adhère pas trop. Mais pour autant, en fait, j'adhère pas à ce que ça peut apporter en termes de concept. Parce que les concepts de FF me plaisent moins que les concepts qu'on a par concept, je veux dire, les différentes thématiques, l'univers, le lore et tout de KH, en fait, pour moi, il se suffit à lui-même. Mais je trouve que vouloir mettre des trucs un peu trop de type, enfin, typé Final Fantasy dans KH, ça serait pas bienvenu pour moi. Mais mine de rien, en fait, j'aime quand même plutôt bien l'esthétique. L'esthétique, du coup, de Quadratum, on va dire 2KH4 d'une manière générale, même si du coup après on aura une atmosphère plus basique dans des mondes Disney et tout, comme on a la preuve avec Donald et Dingo qui vont voir Hades. J'aurais peut-être dû le mettre en miniature dans les archives, mais j'aime bien, en fait, genre le look de Sora, je trouve cool. Je suis trop triste qu'il ait plus ses grosses chaussures, parce qu'en tant que digne héritier de Sora, je porte des chaussures de sécu H24, du coup ça me fait des pieds énormes, et j'aimais bien avoir ce petit point commun avec Sora. Mais là, du coup, Sora, non, il se réveille pieds nus. On a le droit de voir les superbes pieds de Sora. Là, je les ai floutés, enfin je les ai cachés, désolé aux fétichistes des pieds, mais du coup là on les voit pas. Oui, il y aura une rediffusion, normalement, si YouTube me le permet, il y aura une rediffusion. J'ai pas pensé à faire d'enregistrement à côté, j'aurais peut-être dû. Mais au pire, je ferai peut-être un thread Twitter, un truc comme ça, pour résumer ce que j'ai pu dire.
Mais normalement, il y aura si YouTube me le permet, normalement, il y aura bien une rediff. Parce que là, je sais pas combien de temps on y est déjà là. J'ai commencé à quoi? Putain, oui, il est déjà 22h. Bref. J'espère que personne bosse demain. Merde, j'ai enlevé le chat. Ah, voilà. Ouais, j'ai des chaussures de clown, moi. Comme Sora. Du coup, j'étais content, mais maintenant, je ne suis plus content. On voit les tout petits pieds de Sora. Genre, Sora, il a des tout petits pieds au final. Dans Quadratum, du moins. Bah, comment ça, Dingo et Donald sont chez Hadès? Dans le trailer de KH3, à la fin, en fait, on voit Donald et Dingo qui marchent dans l'obscurité avec une petite lueur de la flamme de. Une flamme au bout de la baguette de Donald, si je me trompe pas. Et d'un coup, il y a une lueur bleue qui arrive derrière. Donc en fait, la lueur bleue, ça a l'air d'être Hadès, quoi, en fait, simplement. Hadès de Hercule. Et ça fait sens. Donald et Dingo, ils se disent Sora est a priori mort. Bah, on va voir le dieu de la mort pour avoir une idée d'où est Sora, quoi. Et c'est ce qui. Ça a été mis dans le trailer pour que. Pour nous faire comprendre, c'est ce que Nomura avait dit, pour nous faire comprendre qu'il y aura bien du Disney et tout, quoi. Ce sera pas comme ce que les gens ils se disaient à chaque nouveau cache, il y a ça en fait. Les gens ils se disent, ah, ça va devenir plus mature, on va peut-être avoir les mondes Final Fantasy. Mais en fait, non, non. Que cache, c'est un jeu Disney, on aura toujours les mondes Disney. C'est pas plus mal, hein. Putain, maintenant ça se barre quand je fais ça. Hop. Comment je peux faire pour que ça ne parte pas? Voilà, comme ça ne va pas partir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur KH4? Ouais, que visuellement ça déchire. Après, à voir en termes de gameplay comment ça sera. Parce que là, c'est une vidéo très, très cinématisée en fait. C'est limite, c'est une cutscene quoi en fait. Il y a quasiment pas de. C'est pas du vrai gameplay. À voir si le jeu sera aussi fluide, avec des angles de caméra comme ça et tout, vraiment, par fluide, je veux dire, pas les FPS, mais le fait que le personnage ait beaucoup de mouvements, que ça te donne l'impression d'être très libre, mais en même temps, en fait, le fait que ça paraisse très scripté, ça t'enlève le côté libre. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Parce que moi, après, en termes de gameplay. Cache, c'est pas pour le gameplay que j'y joue, mais du coup les termes techniques vraiment propres au médium du jeu vidéo, c'est pas ma came. FF10, l'obscurantisme religieux aussi. Ah ouais, ça peut être cool ça. Arrêtez de me donner envie de faire des FF. Bah, toi, Chronos, du coup, là, tu parles justement et avant aussi. Bah, ouais, Star Wars, putain, j'aurais dû mettre la miniature de. Enfin, c'est factuel, ça sera dans KH4, y a aucun doute là-dessus. Je me coupe les parties si ce n'est pas le cas. Même si en vrai, je m'en fous, parce qu'en fait, Star Wars, bah, j'ai jamais accroché non plus. J'ai essayé de m'y remettre il y a pas longtemps en me disant, allez, on va faire l'effort et tout. J'ai regardé le 1 et le 2, ça m'a saoulé. Bon, ça, après, justement, c'est ce qu'on dit toujours, que le 1 et le 2. C'est les moins bons et enfin, que c'est lourd et tout ça à regarder, mais ouais, c'est lourd à regarder, c'est chiant. Les trucs d'enjeux politiques et tout ça, là, ça me. Je sais pas, je rentre vraiment pas dedans. Moi, j'ai juste envie de les voir en mode trop dark et couper des gueules et tout à coups de sabre laser, mais c'est pas ça l'histoire. Et du coup, techniquement, il faudrait que j'enchaîne sur l'épisode edgy de Star Wars 3. Mais j'ai trop la flemme en fait. Du coup, je ne regarde jamais. J'ai pas vu, je sais même pas si j'ai vu les autres épus. Les autres opus. Genre les récents, enfin, la nouvelle trilogie ou je sais pas quoi. J'ai jamais vu tout ça. Mais 4, 5, 6, j'ai peut-être vu le 4 quand j'étais gamin. Mais je regardais pour les images et je comprenais pas l'histoire quoi. Mais c'est tout. Donc à voir. Mais moi je demande à voir ce que ça peut donner. En tout cas, genre la belle petite forêt et tout, et avec des Ewoks qui se baladent dedans ou un truc comme ça, je prends.
Ah ouais, le 3 est génial, putain, moi je vois souvent que justement le 3 il est cringe a priori. Ouais, voilà, le 3 il est bien edgy, mais est-ce que c'est edgy dans le bon sens? Ouais, il tue des gamins quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est edgy dans le bon sens le fait qu'il tue des gamins? Bon, on va pas partir sur un live Star Wars. Mais du coup, je demande à voir ce que ça peut donner dans Cash. Je pense que ça peut faire des trucs cool. Mais si Star Wars il y a dans Cash, j'aimerais bien que ça soit une histoire annexe. Un truc inventé pour Cash, que ça fasse partie du lore, que ce soit canon à Star Wars ou pas, comme par exemple peut l'être Toy Box dans Cash 3, quoi, par rapport à Toy Story. En fait, ça me ferait chier que ça reprenne l'histoire d'un film encore. C'est le problème que j'ai souvent avec Cash. Ça me fait chier que ça reprenne l'histoire des films. Et je ne vois pas vraiment quel film tu peux reprendre. Bah, l'épisode 4 peut-être du coup. Je ne connais pas assez Star Wars, mais... Ouais, ça serait l'épisode 4 à la rigueur qu'on pourrait reprendre. Qu'on pourrait réadapter dans Cash. Mais ça me paraît encore bizarre en fait de réadapter un film de dire quoi Star Wars au moins 1h40 quoi, 1h40, 2h en version longue peut-être. Je vois pas. Oui, c'est vrai, Cachin et BBS, il y a parfaitement une patte Star Wars. Mais je veux dire ce que ça peut donner, ce que Star Wars peut apporter à Cache, je veux dire en termes d'esthétique et tout ça, quoi. C'est plus à ça que je pense. Pas en termes d'histoire particulièrement. Vu que je connais pas assez Star Wars, j'ai pas forcément les thématiques qui me viennent en tête. Même si. Est-ce que la relation Luke et Dark Vador. Enfin, Luke et Anakin, ça pourrait pas être un moyen de parler de paternité et tout ça? Vu qu'on cherche à nous mettre les liens de la famille en avant, quoi. Enfin, on pourrait avoir Sora qui pense à ses parents, quoi. Ou du moins qui y pense face caméra. L'épisode 6? Ouais, justement, l'épisode 6, ça serait le moment pour. Ça serait. Ouais, dans le 6, il y a encore Dark Vador ou... Enfin, ou dans tous les cas, il y a encore le truc avec Luke et Dark Vador, quoi. Donc, je connais pas assez. Je vais trop dire des conneries et je vais trigger les fans de Star Wars. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à KH4? Autre chose. Le Dark Side Giga Chad, là aussi, il est quand même vachement cool. Et j'aimerais bien que on ait pas mal en fait de monstres comme ça. Ça me plairait que dans KH4, il y ait moins le côté mob qui pop tout le temps, mais plus des gros mobs d'un coup qui apparaissent. Bon, ça peut peut-être être chiant sur la durée. Je voyais peut-être un peu un truc à la Shadow of the Colossus, quoi. Dans le sens où il y a genre tu vas dans des parties de la ville. Un peu comme Shadow of the Colossus, si vous voyez, où tu vas dans les. Tu te balades sur la plaine désolée et tu trouves les colosses. Bah, ce serait cool qu'en fait tu te balades dans les rues de Quadratum et que par moment tu tombes sur un gros Darkseid comme ça de ouf, bon, avec des designs différents pour que ce soit pas des combats trop répétitifs, quoi, mais. Ouais, tu tombes là-dessus, que ce soit vraiment ça, en fait, plus ou moins les mobs dans la ville. Genre juste des gros boss, une espèce de boss rush un peu en fait, et qu'il n'y ait pas tant que ça de petits boss à la con, de petits mobs. Que ça me fait chier en fait moi de marcher et d'avoir des sanctuaires qui pop toutes les 3 secondes. Ça fait le syndrome Pokémon avec les hautes herbes quoi, donc ça m'énerve un peu dans KH. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire par rapport à ça? Mais après que ça pourrait être juste par rapport à Quadratum, juste ça. Ce concept-là. Mais je trouve que du coup, ça apporterait vraiment une petite nuance. Mais si je ne me trompe pas, dans le trailer, on voit Sora buter des ombres simples. Après, les ombres simples peuvent peut-être popper simplement au moment où il y a les Darkseid et. Bon, à voir. Mais je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire avec ça. Et voilà, justement, il y a l'effet super titanesque du monstre, quoi. Je trouve qu'en fait, ce trailer de KH4, il a une vibe début de KH2. Avec Sora qui se réveille en mode putain, je suis un peu la tête dans le cul, et bah, comme Roxas dans KH2, le tout début, dans l'épilogue.
Le gros combat avec, avec le Darkseid Ifrit Giga Chad là, de 3 mètres de haut, ça me fait un peu penser à l'armure astrale. Il y a le truc avec Strelitzia, ça fait un petit peu un rôle à la Namine dans le début de KH2. Et il y a encore des types en manteau noir, a priori, du coup, le maître des maîtres et Sigurd, dont en fait Missing Link va être l'intérêt au final, en fait, nous introduire Sigurd, ça va juste être ça, je pense. Mais ouais, du coup, il y a vachement cette vibe du début de KH2, et j'aime bien. Mais du coup, j'ai peur en fait de trop accrocher à ce début du jeu et à détacher après, parce que KH2, c'est ce que ça m'avait fait. KH2, c'est le premier KH auquel j'ai joué. J'avais vachement aimé le truc au début, le côté bah, justement virtuel, t'es dans l'ordinateur, l'esthétique glitchée et tout ça. Bon, je pense que ça m'a marqué vu que c'est un truc que j'aime bien maintenant. Et j'ai peur justement de trop adhérer à ce début de KH4, pardon, et d'être un peu déçu par la suite. Alors Sigurd, c'est un nouveau personnage qui a été introduit à la toute fin de Union Cross. On ne connaît pas son visage, c'est un personnage en manteau, capuche et un petit chapeau qui lui cache son visage. C'est la personne en fait qui a accueilli Brain à l'époque de Missing Link. Et c'est lui aussi qui parle dans le trailer de Missing Link. Et c'est aussi lui qui parle dans le trailer de KH4. Ça, c'est trop dur à dire KH4 tout le temps. Du coup, ça a l'air d'être un personnage relativement important parce que on a déjà sa présence dans trois jeux différents. Et sa présence, du coup, dans deux trailers où il est le narrateur, quoi. Donc, ça pas l'air d'être rien quand même. Mais on n'en sait pas plus. Les Marvel dans Cache, je sais pas moi. Je me suis tous tapés de base juste pour pouvoir voir Spider-Man, le dernier, que je n'ai toujours pas vu au final. Je les ai tous regardés, mais en fait sur Disney+, il n'y a pas Far From Home. Du coup, bah, il n'y a pas No Way Home non plus. Et du coup, bah, je me suis arrêté ça. Alors, comment on sait que c'est Sigurd? Ça a été dit par Nomura. C'était quoi dans son. En fait, il nous avait dit en interview que c'était le même personnage dans. C'était super sympa à suivre, ça d'ailleurs, la petite chasse au trésor un peu sur le moment. En fait, il nous avait dit dans une interview que c'était le même personnage qui parlait dans les deux trailers. Après, il nous avait dit aussi, ou à un autre moment du moins, il avait dit que c'était un personnage qu'on connaissait déjà, mais qui n'avait pas eu de voix. Donc ça faisait déjà un gros tri, parce que ça implique que c'était un personnage de Dark Road ou Union Cross. Et après, dans son message secret, pendant l'event, il y avait une espèce de message. Il y avait un poème, ou je sais plus trop quoi, et il y avait un message secret à l'intérieur. Et ça disait un truc littéralement étant. Si je me trompe, tu me dis Chronos, mais je crois bien que c'est ça. Ça disait. Le personnage qui parle est Sigurd. Du coup, on a su que c'était Sigurd. Mais du coup, ça nous fait comprendre que le perso aura de l'importance, même si on ne sait rien de plus à ce sujet. Après, c'est peut-être pas lui à côté du maître des maîtres. Mais vu que c'est lui le narrateur et qu'on nous montre ses personnages et tout, qui observe Sora, et vu que ce personnage-là, Sigurd, en voix off, a l'air de parler à Sora, ou du moins s'adresser à lui et un petit peu au joueur en même temps. Pour moi, ça a l'air d'être lui, comme ça, qui l'observe et qui raconte tout ça. Hâte de voir, en tout cas, quelle tronche va avoir le personnage. Ça me hype bien. Notez qu'il y a quand même du positif dans mes mots. J'arrive à être hypé par un personnage dont on ne sait rien. Alors que, justement, ça va normalement à l'encontre de ce que je raconte. Je dis que je veux qu'on réponde aux questions qui sont en suspens. Et qu'on arrête d'ajouter des choses. Et pourtant, là, on nous ajoute des choses. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il a dit, Parniak? Je l'ai pas vu. Il racontait une connerie. Non, qu'est-ce qu'il racontait?
c'était vraiment une connerie du coup. Cage 4. Autre chose. J'essaye de voir. Ah, il y a Strelidia. Je pense que je vais faire une vidéo sur Strelidia. C'est de côté. Je pense que dans l'ordre, je voudrais faire une vidéo sur le cas Lushu et Brain et un truc sur Strelidia. Après, sur Strelidia, je pense que ça va être très court ce que j'ai à dire. Mais j'aimerais bien faire un truc propre avec un petit montage et tout, donc je vais pas trop en parler plus. On va garder ça de côté pour. Je fais du teasing. Genre, la chaîne elle est pas tout à fait morte encore. J'arrive à teaser qu'il y aura des vidéos. Peut-être dans 6 mois, hein, sait-on jamais. Ou dans un live qui sera consacré à ça spécialement. Parce que là, en fait, l'idée de ce soir, c'était de. Complètement. Attends, je cherche mes mots. L'idée de ce soir, c'était en fait de raconter tout ce que j'ai pas raconté suite aux annonces qu'il y a eu et rattraper tout mon retard en fait. En gros, se dire que suite à ce live, à cette vidéo, si vous la regardez en rediffusion, vous saurez toute ma pensée. Dans les grandes lignes. Beaucoup de colère, de haine, de tristesse, un petit peu de plaisir par moment. Mais ça fait mal quand même. Alors, je vais juste relire ce que vous disiez. Par rapport au j'ai pas trop parlé de ça. Du coup, les Marvel, je me les suis tous fait. Moi, j'aurais un kiff. Même si j'ai pas tant aimé que ça le film, j'aimerais bien voir Captain America, en fait, le premier, être adapté. Dans KH, parce que j'aimerais bien voir la en fait une ville années 40 dans KH, je trouverais ça cool. Et puis il y aurait la d'une certaine manière du coup le moyen de questionner en fait Sora par rapport au le rapport qu'il a à la guerre en fait, parce que Sora il a vécu une guerre entre guillemets par la guerre des Keyblade où il y a 20 pecnos qui s'affrontent alors qu'il y en a que la moitié qui ont des Keyblade. Et qu'il n'y a pas de mort, parce que Sora, en fait, les morts, on s'en fout, quoi. Mais là, du coup, je trouve qu'il pourrait être mis face, en fait, à la réalité, littéralement. Alors, est-ce que c'est vraiment une guerre Est-ce que c'est, genre, la discrimination, les morts, et tout ça, quoi. Je pense que ça peut être cool. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Doctor Strange, j'aurais trop peur. Parce que, en fait, genre le délire du multivers dans KH, du coup, ça fait peur. Si le multivers de Doctor Strange reste propre au monde de Doctor Strange dans l'univers de KH et des Marvel d'une manière générale, ça me va. Mais si, du coup, le multivers peut être étendu à tout l'univers vraiment de Kingdom Hearts, et que ce soit pas spécifique au monde Marvel, là, ça me ferait peur. Parce qu'en fait ça a trop de points négatifs en fait le côté multivers et j'ai pas envie que ces points négatifs arrivent en plus dans KH. Après je vois ce que tu veux dire EL, c'est vrai que le côté ça part un peu trop loin si ouais c'est vrai, est-ce que KH c'est vraiment le genre de jeu où on parlerait de ça quoi. On a juste dit que les gitans ils étaient discriminés et que Quasimodo il était pas beau et du coup il doit rester dans son clocher quoi. On a parlé de trucs comme ça, mais c'est vrai que le délire guerre ça a peut-être pas marché. Et pareil du coup X-Men Magneto et la thématique de l'Holocauste c'est peut-être un peu trop lourd pour KH quoi. J'aimerais bien franchement, j'aimerais bien. Mais j'ai du mal à voir Sora là-dedans, quoi. Après, Riku là-dedans. Mais encore une fois, est-ce que Disney a envie de partir sur ce genre de truc-là? Et est-ce que Nomura a envie de partir sur ce genre de truc-là? Je suis vraiment pas sûr. Je ne pense pas. En fait, je me rends compte que la musique, elle doit être super basse pour vous. Faudrait que je me base sur la même chose pour moi.
Hop. Là, c'est peut-être trop fort. Je sais pas trop. Ça doit être bon là comme ça. Parce que j'ai pas le retour. Il aurait fallu que je me mette un truc, mais. Ah non, ce que vous allez entendre en écho et tout. C'est pas grave. Quel Wolverine? Ouais. Bah, en fait, les X-Men, je pense que s'il y aura X-Men un jour dans KH, ça sera avec une nouvelle franchise X-Men, quoi. Enfin, une nouvelle. Un nouvel univers, quoi, qui serait dans le MCU et tout ça. Je vois pas trop l'intérêt en vrai d'adapter les anciens films. J'entends pas la musique. On va mettre ça comme ça du coup et on va juste espérer. Putain, en fait, ouais, si vous entendez pas la musique depuis le début, je comprends que du coup vous disiez que on s'ambiance pas trop, quoi. Après, la musique, elles sont pas très fortes. C'est voulu en mode musique de fond et tout, quoi. Pas que ça l'emporte sur ma voix. Normalement, je pense que là, ça doit être plutôt bien en termes d'équilibrage musique plus voix. Je sais pas si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à KH4. Moi, je vois rien d'autre. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ah non, après c'est juste du blabla du coup de se dire est-ce qu'ils vont retrouver Sora et tout, mais bon oui, c'est juste de la spéculation basée sur rien si ce n'est simplement le fait que bah, c'est le héros, il ne peut pas lui arriver grand chose de mal, il va retrouver ses copains et puis comme d'habitude quoi. Moi, tu vois, tu me fais penser à ça, tu dis Coco. Justement, dans. Bah, je vais laisser l'onglet KH3. En monde Disney. En fait, parce que un kiff que j'aimerais beaucoup, j'en avais déjà parlé, c'est je voudrais en fait que le délire crossover, il soit mis même dans les mondes Disney. Que genre les personnages Disney, en fait. Un peu comme c'était le cas déjà dans KH1, mais je crois que Disney a freiné ça en disant qu'ils ne veulent plus trop que les personnages interagissent en dehors de leur monde. J'imagine pour que les personnages soient pas trop en dehors justement de leur personnage et de leur contexte. Disney doit être un peu chiant avec ça, mis à part Maléfique, quoi. Et du coup, ouais, les personnages Disney, en fait, par exemple, un kiff, je prends souvent cet exemple-là, mais tu te dis, tu mets un méchant Disney dans un autre monde. Par exemple, tu prends le contexte de Monstropolis, le monde de Monster Inc. Monster Inc. C'est quoi en français? Monstres et Compagnie. Tu prends le contexte de Monstres et Compagnie où maintenant, les monstres utilisent le rire. Et non la peur alimenter leur ville et tout ça et justement littéralement en vivre. Et genre imagine dans ce monde-là, tu fous d'un coup Oogie Boogie, le croque-mitaine, et que Oogie Boogie fasse la merde en utilisant les portes. Genre que Oogie Boogie arrive par exemple à, je sais pas, genre à étendre son ombre ou une connerie du genre à travers toutes les portes. Et du coup, fasse. Non, on va pas le dire vulgairement. Face des cauchemars à tous les enfants en même temps. Genre le gros drama que ça pourrait être. Après, c'est un drama dans le cadre d'un truc Disney, mais je trouve que ça serait super cool. Je sais pas qui on pourrait mettre comme ça aussi. Genre, enfin, soit des interactions comme ça avec les univers de Disney. Ouais, c'est vrai que la phase 2, si elle dure 20 ans, non, quoi. Vous imaginez, genre, à 40 piges, on sera à 40, 50 piges, on sera encore là. On sera encore là sur ce live-là, actuellement. Il va durer 30 ans. Non, je sais pas si je vais réussir à suivre aussi longtemps que ça. Ça va dépendre de la suite. Je pense que, petit à petit, je vais me détacher de KH. Parce que ça me plaît moins et je me rends compte que c'est pas. Que ça me parle plus trop, quoi. Je pense que ça s'adresse plus
plus trop spécialement à moi en fait. Je cherche le mot, comment dire ça. En fait, ce qu'on nous raconte en cache, c'est plus vraiment ce que j'attends d'une histoire. Ça me parle pas en fait. Le côté héros de shonen et tout, ça me parle plus. En fait, on l'a évoqué avant dans DR, mais je commence à avoir détaché de cache petit à petit. Pour moi, en gros, le scénario en fait il perd en cohérence et en vraisemblance en fait petit à petit. Du coup, t'as une perte de repère dans la diégèse, l'univers il fait plus trop de sens et moi en tout cas, je commence à être déconnecté et je comprends en fait les gens qui suivent du coup plus trop et qui ont regardé ça de côté et qui n'ont pas suivi genre tout le délire de UX et tout ça. J'ai fait l'effort en fait de quand même m'y mettre avec les jeux mobiles et de suivre l'histoire, mais je comprends ceux qui ont décroché plus tôt et je pense que ça va finir par arriver. Pour moi, le plus gros du coup problème de la franchise, c'est les infos qui sont données au compte-gouttes, au compte-gouttes plutôt. Donc, elles sont données petit à petit sur des années. Genre là, en interview, Nomura il a encore dit qu'il allait donner une explication à pourquoi Riku donne une kibed à Kairi. Putain, c'était il y a 15 ans, c'est trop tard. C'est pas. Enfin, on va dire que c'est jamais trop tard, mais quel est l'intérêt de le raconter maintenant? Je sais pas. S'il le fait, parce que ça se trouve, c'est juste qu'on lui a posé la question, et du coup il fait ah ah oui, j'ai prévu d'en parler. Faites attention, il y aura des révélations, mais ça se trouve, il en sait rien. Il a complètement zappé ça, on lui a rappelé, là, il a fait ah ouais, merde, putain. Bon, c'est pas grave, on va faire un jeu mobile pour raconter ça. Et du coup, le problème aussi, comme on l'a dit plein de fois, c'est les interviews, on peut plus s'y fier. Et c'est chiant. Genre, sur quoi je base mes vidéos maintenant? Si on peut plus se baser sur les infos données dans les interviews, vu qu'elles sont contredites ensuite. C'est quoi? On fait juste du blabla totalement dans le vide. Après, il y a quand même une démarche derrière. Je fais des jolies vidéos avec des belles animations. Non. Mais je sais plus trop quoi en penser. Qu'est-ce que j'avais d'autre à raconter? Ouais, enfin, aussi, du coup, que j'ai peur que le côté FF, en fait, que la mythologie de FF arrive dans KH. Parce que je trouvais que KH, jusqu'à maintenant, c'était très, très terre à terre, en fait. On était à l'échelle de Sora. On était à l'échelle de Sora qui veut juste sauver son monde et. Ok, il y a des méchants qui font des trucs, mais les méchants, c'est des humains aussi. Alors que là, on en arrive sur un délire où... Sora, en fait, il va un peu combattre le chaos primordial, quoi. Les darkness, c'est quoi, en fait? Les darkness, c'est les ténèbres. Les ténèbres qui existaient avant Kingdom Hearts. Donc, Kingdom Hearts étant la lueur qui a émergé des ténèbres pour créer la vie, créer les hommes et les cœurs. Kingdom Hearts, c'est Dieu, en fait. Et là, on en arrive à un point où, en gros, on va combattre ce qui précédait Dieu. Et je trouve que c'est... Ok, ça peut être sympa, en fait, mais je trouve que c'est un côté très FF. J'ai rien, en fait, contre le fait d'aborder des sujets comme ça, mythologiques et tout. Justement, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Mais je sais pas dans KH, pour moi. Pour moi, KH, faut que ça reste niveau terre-à-terre, parce que ça a jamais cherché à aller dans cette démesure-là avant. Si tu prends par exemple une œuvre comme les Shin Megami Tensei que j'apprécie, t'es directement dans un monde où le plot c'est directement tu combats des dieux et puis voilà, c'est tout. C'est directement le plot. Qu'on nous parle des divinités et tout ça, ça me dérange pas parce que c'est déjà ça. Dans les Final Fantasy en général, c'est un peu ça. On te met dans un monde où les personnages, déjà les Final Fantasy, la plupart d'entre eux, c'est des opus uniques, quoi. Donc, si on t'introduit d'un coup la divinité au sein du jeu, c'est bon. Mais là, en fait, le fait qu'on nous en parle d'un coup, alors que c'était pas le cas avant, c'est ça qui me dérange. Si vous voyez ce que je veux dire.
Mais oui, c'est le dessin de tout RPG. Et en fait, j'aurais même envie de dire de toute œuvre un peu comme ça, truc shonen et tout ça, parce qu'en fait, il faut progressivement aller vers la démesure, parce que t'as besoin que ton personnage il affronte quelqu'un de plus puissant. Et du coup, bah, au bout d'un moment, on arrive à combattre des dieux et des conneries du genre. Mais ça, je sais pas, j'ai du mal. Après, ils peuvent en faire quelque chose de très bien. Ce serait vachement cool d'avoir Sora qui se questionne par rapport à ça, mais... Je veux pas avoir Sora qui va nous parler de religion d'un coup. Je pense que Sora, il va rien avoir... Enfin, il va complètement s'en battre les couilles, en fait, de combattre les Darkness, quoi. Limite, il va vouloir les sauver et se dire... ils ont le droit d'avoir leur vie aussi. Vanitas, il peut être gentil, ça veut devenir mon copain. Et puis à la fin, tout est beau et tout, quoi. Les ténèbres et les hommes, ils vivent en harmonie, et puis fin de l'histoire. Quoi d'autre sinon? Ouais, bah enfin, je dis là justement, fin de l'histoire, tout est beau et tout. En fait, j'aimerais bien que les personnages y souffrent. Je trouve qu'en fait, la psychologie des personnages, pour moi, elle est pas assez exploitée. On peut en tirer quelque chose quand même, on peut quand même raconter quelque chose à travers les personnages, mais c'est plus l'interprétation de chacun. Je trouve qu'au sein même du jeu, il ressort pas grand chose de la personnalité des. Tu sais pas ce que les personnages y pensent profondément au fond d'eux par rapport à tout ce qu'ils vivent. Et par exemple, un truc tout con, genre, c'est à quoi? À quoi j'ai vraiment trop peur que ce qu'elle a vécu, ça l'impacte pas. Genre, elle est restée 10 ans dans les ténèbres, elle s'est fait corrompre et tout à la fin. Ils nous ont montré dans Remind qu'elle était à moitié traumatisée quand elle voyait les ombres, elle se voyait, elle, démultipliée en version trop dark. Mais est-ce que ça va avoir un impact par la suite? Est-ce qu'on va vraiment, en gros, parler de traumatisme quand même sous l'égide de Disney, on va dire, quoi? On va pas partir dans des trucs non plus trop adultes. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, il y a des films Disney qui parlent de choses graves et qui arrivent à le traiter très bien. Donc, pourquoi K.H. le ferait pas avec ses propres personnages, pas en réexploitant les mondes Disney? Mais je trouve que K.H. le fait pas assez... dans le sens où c'est à nous un petit peu d'y réfléchir. Après, c'est bien que ça pousse le joueur à réfléchir. On serait pas là sinon à en parler tout ça, mais c'est même plus là, ça, c'est pas que ça nous pousse à réfléchir, en fait, ça nous pousse à imaginer, à inventer presque. Et c'est un truc avec lequel j'ai du mal. En fait, ouais, j'aimerais bien que les personnages ils aient en gros des doutes, des détourments et tout, et que leurs souhaits bah, ils soient pas exaucés. Simplement sans sacrifice. Pour moi, en fait, un personnage, pour évoluer, il a besoin de sacrifier quelque chose. Pas au sens littéral, il faut pas forcément des morts littéralement, quoi, je veux dire. Mais il faut qu'en fait que ses souhaits, ils soient genre confrontés en opposition avec ses valeurs, des trucs comme ça, pour que le personnage en sorte grandi et pour que le joueur, le spectateur, en sorte grandi aussi. Et est-ce que, en fait, maintenant, Sora a sacrifié quelque chose? On peut dire qu'il a sacrifié sa vie paisible sur les îles du destin. Mais au final, il s'est même fait des amis en plus en chemin et tout. En fait, bon, ok, il est mort à la fin de KH3. Mais il va revenir. Il va revenir à la vie. Il a rien perdu, en fait. Ah merde, putain, on voyait plus. On voyait plus le chat, du coup, je voyais plus ce que vous avez dit. Mais du coup, vous voyez, quoi. Sora... Il va pas évoluer. Il va pas évoluer parce que sa vision du monde n'est jamais en fait entrée en opposition avec ce qu'il doit faire. Et oui, carrément, avec Terra. Terra, en fait, pour moi, il aurait pas dû revenir comme ça en mode no prop, quoi. Pour moi, Terra, il aurait fallu le faire revenir. Toi, par exemple, montrer que visuellement le personnage est affecté. Tu fais un truc genre tu lui laisses un œil jaune, une mèche grise, moi. Tu le fais pas rajeunir simplement déjà, tu le fais pas revenir en tant que jeune mec flambant de 20 ans, il aurait dû revenir avec le corps de Xemnas en fait, avoir la trentaine, et montrer que ça l'a marqué. Parce que d'une, on n'aborde pas la psychologie des personnages,
mais on l'évoque même pas à travers le design. En fait, là, on est... Genre, par exemple, si tu regardes... Enfin, c'est comme ça, normalement, que tu fais, en fait, pour... Ouais, il faut qu'il y ait des conséquences. Quand tu veux, en termes de... Alors, putain, Nomura, c'est censé être un character designer, à la base, quoi. En termes de design, les designs des personnages, ils sont censés raconter une histoire. Et en fait, si tu regardes design de Terra KH3, design de Cage de Terra BBS. Terra KH3, Terra BBS. C'est le même design. Le personnage n'a pas évolué. Tu ne peux pas voir la différence de mentalité du personnage vu qu'elle n'est pas montrée par son design. Et pour autant, Xehanort-John, il te le fait un coup avec des cheveux plus longs, avec une mèche, avec des yeux gris, avec des yeux orange, avec les oreilles pointues, pas les oreilles pointues. Là, il y a toutes les itérations possibles du personnage, quoi. Mais les autres, ben non, on ne le fait pas changer. Ou Sora, on nous le fait changer juste comme ça. En fait, le seul qui a eu des trucs, c'est Riku. Riku, le personnage a évolué, son design a évolué, et ça a toujours été... Son design, en fait, il évolue logiquement par rapport à son histoire. Voilà, c'était le petit coup de gueule moment design et personnalité des personnages. Que dire de plus? Bah, j'ai déjà évoqué plusieurs fois ça, je vais le noter comme ça, mais... Ouais, non, ça je vais pas en parler. Est-ce que je fais les questions maintenant ou... Bah, je vais parler de... Hop. On va enlever KH4, de toute façon on ne parlait plus trop de KH4. On va parler des projets que j'ai en cours. Parce que j'en parle souvent, en disant « Ouais, j'ai plein de projets et tout ça. » Mais au final, ça se concrétise jamais. Je sais qu'il y avait une série de vidéos que j'avais prévu de faire, justement, qui avait plutôt bien plu avec un seul épisode. C'était les mythes et croyances que j'avais commencé par rapport au maître du maître, le maître des maîtres et le mythe d'Amon. En fait, j'aimerais vachement en parler de ça. Enfin, du côté mythologique comme ça de KH et voir ce que ça peut apporter, et aussi parce que du coup comment dire ça, ça me permet en fait de raconter autre chose en prenant KH comme support. Mais pour autant les mythes et croyances, en fait, bah déjà je trouve ça difficile à aborder. Si je parle si je parle de rats, des dieux égyptiens et tout, on s'en fout, mais en fait si je rentre dans un truc un peu plus pointilleux par rapport à des religions modernes, en fait j'ai trop peur de dire des choses au travers qui pourraient être mal perçues. Et puis en fait, mine de rien, il y a quand même pas assez de thèmes, je trouve, qui en ressortent vraiment de ce genre de comparaison, quoi. Genre Amon égale Mom, ça marchait, mais ça reste léger, en fait. Ça marche, mais en fait c'est qu'une comparaison, une énumération de points communs entre les personnages. Mais bon, à voir si vous aimez quand même. Je sais que je peux créer d'autres trucs comme ça en prenant des mythes et en les comparant à KH et voir ce qu'on peut en tirer derrière. Parce que là, le but était ça, quoi. C'était pas simplement de comparer Amon et le Mom, c'était de les comparer pour voir vers quoi l'histoire pourrait évoluer. Mais du coup, j'ai un peu peur de... Je vais pas prendre la mythologie scandinave, bah, ça paraît trop évident de l'utiliser. Tous les personnages de Dark Road, ils ont des noms grecs et tout, donc des noms de dieux scandinaves, justement. Donc ça fait un peu chier. Il y a déjà l'esthétique aussi grecque, justement, dans ce cas-là. Toi, ça paraît un peu trop évident. Il y a peut-être le moyen de le faire quand même. Mais oui, je pourrais parler du zoroastrisme ou de l'hindouisme. Comment ça s'appelle déjà Est-ce que c'est le Zoroastrisme? Non, c'est pas le Zoroastrisme, ça. Ah, justement, par rapport au Darkness et au concept de chaos primordial et tout ça, c'est un truc que j'aimerais bien évoquer dans une vidéo. Mais il faut voir si j'y arrive.
Non, je compte pas créer de serveur Discord pour la chaîne parce que j'ai trop la flemme de surveiller en fait le Discord. Quoi. Quand tu crées un Discord, t'es un minimum responsable de ce qui s'y passe. Et j'ai pas trop envie. Quoi. Et aussi parce que je suis pas assez actif. La chaîne ne vaut pas le coup. Quoi. Autant passer par d'autres Discord de la communauté francophone. Quoi. Du coup, ouais, en projet de vidéo, il y a ça, potentiellement refaire. Je sais que ça avait bien marché, dans le sens où j'avais eu des bons retours par rapport à ça, et ça me ferait plaisir de rebosser sur du montage de ça, mais faut trouver un sujet vraiment à aborder. J'en ai, mais j'ai peur que ça fasse des vidéos de 5 minutes, quoi, et ça... C'est pas hyper passionnant à faire. Bah oui, le chaos primordial, c'est dans toutes les mythologies, mais il est pas personnifié dans toutes. Par exemple, dans la chrétienté, ok, il y avait les ténèbres avant Dieu, mais c'était juste les ténèbres, c'était le vide, c'était... Il y avait rien, quoi. Alors que là, dans KH, les ténèbres sont personnifiées. Il y avait quelque chose avant Kingdom Hearts. Et du coup, enfin pour moi, en fait, c'est ça que les ténèbres, en fait, elles veulent. Les ténèbres, en fait, elles veulent réclamer ce qui leur est... Elles veulent réclamer leur dû, plus ou moins. Elles veulent réclamer ce qui leur appartenait. Je vois ça comme ça, c'est peut-être pas du tout dans ce sens-là qu'on va aller. Mais en gros, les ténèbres étaient là, Kingdom Hearts est arrivé, et avec Kingdom Hearts est arrivé la lumière, les hommes et le monde, en fait. Et petit à petit, ça a repoussé les ténèbres au point où les ténèbres se sont vues chasser et ont dû même abandonner leur enveloppe physique et tout ça, quoi. Du coup, pour moi, en fait, les ténèbres, en fait, elles cherchent constamment à se répandre parce qu'elles veulent juste revenir au point où elles en étaient à la base. Tu as d'autres projets en héros de KH? Comment ça? Est-ce que je verrai d'autres personnages à la place de Sora? C'est ça que tu veux dire, Chronos? Je vais pas attendre les réponses comme ça, je vais en gros. Petit à petit. Ah, faudrait que je vois FF14, hein. On en parle tout le temps, mais trop la flemme de jouer à MMO. Je dis ça, mais j'ai commencé à jouer à Albion, mais un peu la flemme quand même de jouer à FF. En autre projet, du coup, j'aimerais bien faire d'autres vidéos en mode what if en fait. J'en avais fait avec le data greeting. Mais là-dessus, en fait, je voudrais bien des avis. Je pense que je ferai un petit... Ah oui, d'autres projets en dehors de cash. D'accord, bah je vais y venir. Comment ça s'appelle? Ouais, en gros, faire des épisodes un peu what if sur cash. Soit les faire sous la forme de... Attends, j'avais dû me faire une note comme ça pour pas me perdre. Je pense que je vais faire un sondage avec un Stropole ou un truc comme ça. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Parce que du coup, ça me permet d'utiliser KH pour raconter encore autre chose avec. C'est ce que j'aime bien faire. Sans prétention de dire mes histoires, elles sont mieux. C'est pas du tout ça. Parce que justement, j'aurais pas pensé à tout ça à la base. Donc j'aime bien juste en fait me servir de KH pour parler d'autre chose. Basiquement, en fait, il faudrait que j'écrive des fanfics. Mais j'aime pas trop le support en fait des fanfics. J'ai un peu plus de mal avec. Hop. Ouais, du coup, les épisodes What If, soit je les fais sous la forme de cutscene à la Union Cross, mais non, plutôt à la Dark Road en fait. Quand il y a les personnages chacun d'un côté et qui se parlent et qu'il y a des bulles de texte, quoi. Avec pas trop d'animation, parce que c'est un peu galère à faire, même si je peux en faire quelques-unes s'il faut, genre des explosions, des conneries du genre, je peux me motiver à le faire. Mais du coup, ça serait soit sur cette forme-là, en fait une fanfiction, mais racontée comme ça en cutscene, soit en compo photo, comme j'avais pu le faire justement avec un truc très court pour le truc entre Aqua et Kairi. Là, c'était juste pour se donner une idée de à quoi ça donnerait. Le problème, c'est que ça, c'est très limité en fait, parce que dans le mode compo photo de KH3, bah, y a pas beaucoup de personnages. Je pourrais essayer de faire des animatics. Je sais plus, ça s'appelle comme ça, ouais. Ouais, c'est les. Ouais, c'est bien les animatics. C'est les.
C'est plus ou moins une espèce de storyboard en fait. Ça me permettrait de me remettre au dessin. Donc ça rentre un peu dans est-ce que j'ai d'autres projets? Bah j'aimerais bien me remettre au dessin. Mais à mon avis, si je fais des épisodes What If, par exemple reprendre KH et juste se dire et si. On va dire le truc classique de et si Riku avait gardé la Keyblade, bah juste de faire une petite vidéo en gros qui imaginerait quelle histoire on aurait eu si Riku avait gardé la Keyblade. Et du coup je pense que la meilleure manière de le faire, c'est en mode voix off, façon podcast en fait, avec quelques images d'illustration, mais globalement ça serait une histoire audible quoi, en fait. Je pense que ça peut être sympa. J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Je vais faire un thread Twitter, je pense, pour ça, pour bien détailler le truc et voir qu'est-ce qui plairait le plus. Pas dans le sens je veux plein de vues et c'est pas ça, mais en gros, dans le sens qu'est-ce qui vous intéresse en fait, simplement. Mais, parce que moi, un peu le tout me botte, mais j'aimerais bien que ça plaise à d'autres gens aussi, quoi, que ça soit pas juste un truc que je fasse dans mon coin. Parce que moi, à la base, je faisais du roleplay, mais le roleplay, bah, juste t'interagis avec 2-3 personnes et puis c'est tout quoi. Et à partir du moment où j'ai arrêté le roleplay, bah, j'ai arrêté l'écriture comme ça autour de KH et c'est vrai que ça me manque. Ah, c'est cool que je fasse des lives, mais c'est dommage que les lives ils soient de qualité pourrie quoi. Je pense que je vais prendre la fibre, mais en fait j'ai trop peur que même avec la fibre ça soit haché. Parce que là je suis sur mon ADSL au final. Mais j'avais essayé tout à l'heure sur ma 4G, et la 4G, bah pareil en fait, ça laguait aussi, donc c'est pour ça que je suis resté sur la connexion Ethernet quoi, mais je sais pas pourquoi, même en 4G j'ai un débit de merde, donc mes murs sont peut-être trop épais, ou alors ma ville et ma commune est à chier, et du coup il y a un mauvais réseau quoi. Voilà, en fait, j'ai trop la flemme. Non, ça me manque l'écriture en fait, mais l'atmosphère roleplay me manque pas. J'ai eu trop de mauvaises histoires à ce niveau-là. Ouais, mais la fibre c'est bien, mais moi je suis éligible, mais est-ce que ça sera bien par défaut quoi? Est-ce que ça sera forcément bien même chez moi? Ça me ferait un peu chier de payer 30 balles par mois pour avoir une connexion un tout petit peu mieux. Non, pas ok à emménager sur Paris. Je suis très bien dans ma Bretagne recluse du monde. Fantôme Lambda peut en témoigner. Sinon, un autre projet. Attends, est-ce que j'avais mis un truc là-dedans? Mis des croyances, ça. J'aimerais bien faire des trucs communautaires. Mais je sais pas en fait comment le mettre en place. Je pense que justement quand j'aurai fait les... si j'en fais quelques épisodes What If, j'aimerais bien après mettre en scène et raconter en fait des histoires que d'autres personnes auraient créées. Dans le sens où, vu que moi, j'ai pas forcément la motivation de faire plein de trucs, ça me motive plus en fait s'il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé. Et du coup, je me dis, j'ai envie de concrétiser ce que la personne a fait. Alors, si c'est juste pour moi, en fait, bah, je me dis, wow, au pire, la flemme, j'ai mes idées dans ma tête, et puis c'est tout, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'aimerais bien comme ça un côté communautaire. Après, je sais pas si ça se ferait, du coup, sur cette chaîne-là, ou non. Ça servirait peut-être à rien de faire une autre chaîne, mais. C'est-à-dire que je vous balançais un peu dans le vent. Et en autre projet, sinon, là j'ai pas mis d'image. J'avais un script, j'ai écrit un script de fin de game. C'est même pas un script pour l'instant, c'est une ébauche de script. Mais de fin de game Kingdom Hearts. Mais je veux d'abord me familiariser en fait avec RPG Maker. Je connais déjà un petit peu les bases, j'avais déjà fait des trucs il y a super longtemps, quand j'avais 12 ans quoi. Mais là je voudrais
m'entraîner sur d'autres jeux pour pouvoir faire un truc un minimum propre autour de cash. Mais je pense que ça arrivera pas avant avant 10 ans quoi limite. Mais du coup je commence à bosser sur des petits fan games que j'invente moi-même totalement, pas des fan games mais on va juste dire des jeux indés quoi. C'est pas basé sur un univers connu, c'est un truc que j'écris comme ça. J'en ai pas mal de côté, mais en fait j'ai tendance à, dès que je commence à écrire un univers et un scénario et tout, je pars trop loin et en fait je pars dans des choses que je ne suis pas capable de mettre en Unity et tout, c'est quand même trop galère quoi. Après moi j'aime bien les RPG tour par tour justement, donc c'est pour ça que j'ai envie de créer des RPG tour par tour mais avec des mécaniques particulières. Et du coup RPG Maker me semble être un bon début quoi. Après il y a peut-être d'autres trucs mais du moins je veux commencer avec ça, voir si je m'en sors déjà avec RPG Maker aka le truc le plus simple entre guillemets à utiliser par défaut, et voir ce que je peux faire ensuite. Mais du coup le problème c'est que quand je commence à inventer un truc, bah je pars trop loin, je suis pas capable de le faire après en jeu, et du coup je me dis ah oh, fais chier, bon bah c'est pas grave, ça je le garde de côté pour quand je serai en mesure de le faire comme je veux. Mais au final du coup ça avance pas quoi. Mais là je fais un petit truc en ce moment très très simple, juste pour me familiariser avec les concepts d'event et tout ça sur le jeu et réussir à faire ce que je veux. Après sinon, projet en dehors de Cash, sur la chaîne en tout cas non, je voudrais que la chaîne elle reste dédiée à Cash. Et en fait il y a un peu le truc de je me sens pas légitime vraiment de parler d'autre chose. Il n'y a pas d'autre en fait univers dans lequel je suis calé. Et en fait du moins il n'y a pas tant d'univers qui me plairait quoi. En fait Kingdom Hearts c'est plus parce que j'ai commencé à y jouer en étant gamin et ça m'a suivi. Tout comme je connais Dragon Ball, One Piece j'ai pas trop suivi, Naruto je me suis arrêté aussi, mais genre Dragon Ball je connais bien. Mais j'ai aucun intérêt de faire des vidéos Dragon Ball quoi, je m'en fous de Dragon Ball quoi, je continue à suivre mais je m'en fous totalement. Alors Kingdom Hearts j'ai quand même un minimum d'intérêt et c'est pour ça que j'aime bien quand même en parler. Et raconter des trucs avec. Mais autre chose d'autre à raconter, non. J'aime bien les SMT, mais pareil que SMT, je connais pas assez. Ou alors je pourrais parler des opus que j'ai fait et raconter des trucs avec, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt, je suis pas sûr. Je connais pas si bien que ça, toi SMT. Toi, je connais grâce à Wikipédia surtout quoi. Ouais, j'ai ce truc là de je me sens pas légitime. En fait j'aimerais bien en fait en général les trucs que j'aime bien je les découvre trop tard et du coup je suis pas assez dans l'actualité pour parler de ça. Il y a pas mal de séries en fait que j'ai beaucoup aimé et j'aurais adoré les suivre sur le moment même pour pouvoir théoriser et faire en fait ce que je fais avec Cash, mais avec ces séries là en fait en général c'est des séries qui ont une ou deux saisons qui sont terminées et du coup bah ça à moitié pas trop l'intérêt d'en parler quoi. SMT5, j'ai totalement décroché. Ça m'a saoulé. Le jeu est nul. Je t'en parlerai peut-être sinon, mais bon, le jeu m'a fait chier. Je vais pas rentrer dans le détail là, mais SMT5 égale la douille. C'est la Switch pour l'instant, c'est l'investissement le moins rentable de ma vie. J'achète la console pour des jeux. En me disant waouh ils vont être trop bien et tout, et tous les jeux en fait me saoulent sur la console donc j'attends juste Digimon Survive, mais je pense que je vais même pas le prendre sur Switch donc c'est encore pire. Il sort le mois prochain de Digimon Survive, j'en parlerai peut-être du coup de Digimon Survive, je sais pas si je vais faire une autre chaîne ou pas. Ouais j'avais vu ton avis mais Xenoblade j'aime pas visuellement. Shin Megami Tensei 5, SMT5.
Shin Megami Tensei, c'est une série de RPG tour par tour très edgy, qui parle de méchants, d'anges et tout ça, mais ça, c'est un côté vachement sympa. En termes de RPG, pour moi, c'est les, ceux que j'ai joué, en tout cas, c'est les meilleures expériences de RPG. Et en fait, le truc qui parle à tout le monde, c'est que Persona, c'est un spin-off de SNT. Mais, bah, tu le dis, go Digimon. Mais bah, je pense vraiment que Digimon, c'est une franchise que. Sauf alors, ce qui est pour de l'animé, en fait, j'ai pas tant regardé l'animé. Mais. Toi, je connais mieux tous les Digimon qui existent et toutes les lignées d'évolution possibles que tous les Pokémon, par exemple. Je vois du coup ce que vous dites. Et en vrai, faire une chaîne Digimon, j'y avais pensé. C'est même probable que ça arrive à un moment. Je sais pas trop sous quelle forme, mais c'est fortement probable. Surtout avec l'arrivée de Digimon Survive, quoi. Xenoblade, en fait, j'ai le problème de. Ouais, Digimon, ça existe encore. C'est pas du tout popularisé chez nous, mais si tu aimes bien les RPG, et justement que tu aimes le côté un peu weeb qu'il y a dans Twiwi, je te conseille les superbes Digimon Cyber Sleuth. Digimon Story Cyber Sleuth et Digimon Story Hacker Memories. Ils sont un peu sur tous les supports, il y a sur Steam et tout ça. C'est des super RPG designés par le mec qui a fait. Graphiquement, c'est designé par justement le mec qui a fait. Devil Survivor de chez les SMT et franchement c'est super cool. Il y a un côté très très SMT, Persona et tout ça. Ça raconte des trucs sympas. En termes d'histoire, ça arrive à raconter un truc très proche de Kingdom Hearts. Dans Hacker's Memory, il y a vraiment des les délires un peu en mode truc de données, clone de machin, est-ce qu'il est vraiment lui et tout, il y a totalement ce trip là. Oui voilà, Suzuhito Yasuda, qui a fait le character design de ces jeux Digimon. Par contre, il y a un peu un côté malsain dans le sens où il a tendance à dessiner des gamines avec des poitrines protubérantes et qui sont très bien animées en jeu. Mais ils mettent trop l'accent sur ça, quoi. Genre, c'est du niveau de, comment ça s'appelle, le jeu de volleyball, là, avec les gonzesses à poil. Par moment, toi, t'as des cutscenes où les personnages, ils sont fixes. Par contre, l'animation des nichons, ils ont travaillé là-dessus. Ils se sont dit, hop, la gamine de 13 ans, là, on va lui faire des superbes nichons qui bougent en mouvement. C'est hyper malsain. J'ai vraiment eu du mal avec ça. Mais après, bah, j'aime bien les Digimon et tout, donc c'est cool. Xenoblade... Je trouve ça dégueulasse visuellement. Oh, c'est tout ce que j'aime pas. J'ai l'impression de voir un manga random numéro 80, quoi. Je trouve ça vraiment affreux. Encore le premier Xenoblade, ça peut aller, mais petit à petit, il y a eu une surenchérissement de personnages colorés avec cheveux de toutes les couleurs, armure avec des paillettes, avec des trucs qui brillent de partout. À l'écran. La HUD, je déteste les jeux où il y a plein de trucs à la HUD. Genre moi, un de mes jeux préférés, c'est Shadow of the Colossus. Que Shadow of the Colossus, il y a une barre de grip, une barre de points de vie, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de savoir combien de jauges de mana, de machin, de nanan. Ça me pète les couilles, j'aime pas. Alors que j'adore les RPG, mais quand c'est de trop à l'écran comme ça, j'aime pas. Je trouve que justement... Xenoblade, ça fait trop japonais pour moi. J'ai pas ce truc-là. Fire Emblem aussi, et j'aime pas trop l'esthétique truc médiévaux et tout ça. C'est ce qui fait que les Souls. Là, j'ai joué à Dark Souls 3, mais je me suis arrêté parce que ma manette, elle a. C'est pas du Joy-Con Drift parce que c'est sur PS4, mais en gros, elle glisse en fait. En gros, quand j'appuie sur le bouton de garde, mon personnage avance. C'est la raison pour laquelle je ne joue qu'à des RPG aussi. Du coup, c'est pas gênant. Mais des RPG tour par tour. Parce que dans un jeu, du coup, où tu veux garder, au final, ton personnage court comme un demeuré sur le boss,
c'est pas jouable. Et du coup, je me suis arrêté très vite à Dark Souls 3. Mais j'aimerais bien reprendre, mais c'est pas mon genre de jeu quand même. Mais du coup, pour revenir sur le même problème que j'ai pour Xenoblade, bah, en fait, Twee Wee, c'est pareil. Ça fait trop weeb pour moi, Twee Wee. J'y arrive pas. Autant j'aime bien quand même l'esthétique dans l'idée, mais pff, c'est full weebry quoi. Il y a des trappes mignons, mais c'est tout quoi. Sinon, le jeu ne m'intéresse pas du tout. Puis, enfin, je sais pas, Neo, j'ai vu des passages de gameplay, ça a l'air nul. Je sais pas, j'adhère pas du tout quoi. Tu me disais Nanashi, Metroid, en termes de gameplay, bah, j'aimais bien les vieux Metroid, quoi, mais ceux en FPS, pas mon truc. Dragon Quest, j'aime pas pour le... C'est mou, enfin, justement, c'est du tour par tour, mais... C'est trop gentil, y a pas le côté... Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est quand dans un RPG, où le jeu, il t'offre plein de possibilités, et que tu sois à bout, même en... Ouais, en fait, les SMT, quoi. Même en essayant d'optimiser le jeu à mort, tu galères. Et du coup, ça te fait voir vachement une stratégie. Dragon Quest, il n'y a pas de stratégie. J'y jouais quand j'étais petit. Ouais, les mangas, c'est mort. En vrai, il n'y a pas de manga dans lesquels je me verrais m'investir. Quoi. Ah, bah, désolidarise-toi. Mais j'avais déjà dit, oui, ça passait pas. Quoi. J'aime bien Joshua, c'est tout, mais... Ouais, Metroid Dread, faudrait que je vois. Je sais plus ce que vous m'avez cité d'autre, sinon. Metal Gear, ouais, je suis pas sûr que ce soit mon genre de jeu non plus. Non, j'y ai pas joué à Neo. J'ai juste vu des passages de gameplay et ça m'a pas emballé. J'aime pas l'esthétique déjà. Et j'ai beaucoup de mal en fait à me mettre à jouer à un jeu s'il me plaît pas visuellement. Un truc tout con, je pense que je vais jouer à pas mal de vieux jeux. J'ai envie de jouer au Earthbound. Enfin, je sais pas, Mother Earthbound, je sais pas combien il y en a. Ça me plairait bien. Je sais que pour le délire, il faut que je joue les Mario RPG. Bon, après, c'est plus pour ce que ça apporte en gameplay, quoi, mais... Pour vous faire une idée, j'ai adoré jouer les jeux South Park. C'est du tactical RPG, bah j'ai trouvé super cool. Je crois que j'ai joué à Chrono Trigger, mais c'est du action RPG, donc si je me trompe pas. Donc c'est pas trop ce que je recherche. Mount Blade, je connais pas. Ouais, franchement, Earthbound, ça a l'air cool. Et du coup, bah, je vais enchaîner là-dessus. Earthbound aussi, ce qui me fait m'intéresser à ça, c'est que quand je dis que je vais faire des jeux RPG Maker et tout, ouais, les Mario et Luigi, voilà, c'est à cela que je pensais. En fait, j'ai envie de faire des petits trucs avec une esthétique rétro et un peu creepy et tout, parce que c'est une esthétique que j'aime vachement. Et d'ailleurs, en fait, toutes les musiques que vous entendez jusqu'à maintenant, je sais pas du coup si vous les entendez bien, c'est des musiques un petit peu chiptune et tout ça. C'est moi en fait qui ai tout composé. Là j'ai mis que celle en fond qui je trouve passe en étant calme et du coup c'est pas trop énervé, c'est pas des musiques de battle boss et tout ça quoi. Mais c'est moi qui ai fait tout ça. Et en projet annexe à Cash et annexe à cette chaîne, et c'est ce qui fait que je bosse plus trop sur cette chaîne actuellement, c'est que j'ai une autre chaîne sous le pseudonyme de Pseudomorphose. C'est une petite chaîne que j'ai créée très récemment où je poste des musiques justement dans le genre chiptune, je sais pas si elle vous parle du coup, Digital Fusion et tout ça, c'est une esthétique que j'aime beaucoup. Ça me permet de faire des petits visuels rigolos que j'aime bien, de faire des musiques et du coup de faire des musiques que je peux utiliser après dans mes jeux. Et limite pour l'instant, de ce que quand j'ai bidouillé quelques trucs, en général j'ai tendance à faire mes jeux justement par rapport aux musiques que j'ai créées. Donc voilà, j'ai ça de côté. J'aimerais bien que ça perce.
Je sais pas me vendre, c'est comme Kino Mart, mais mes vidéos, je déteste me chercher à me promouvoir et tout ça. Je fais très rarement de la pub en fait. Je pense que la plupart des gens qui m'ont connu, c'est soit des gens qui me connaissaient déjà avec JVC ou avec les serveurs où je suis, ou alors quand j'interviens sur des lives avec Chronos, quoi. Mais c'est vrai que des gens m'aient rencontré par hasard en tombant sur une pub que j'aurais pu faire, parce que j'en fais pas, quoi. Il y a juste Twitter où je poste des trucs. Mais... Hop, ouais, je vous mets le lien. Ouais, faudrait que je fasse les vieux SMT. Après, du coup, le problème avec les vieux SMT, c'est que bah, vu que j'ai aimé les plus récents, c'est un peu dur de repasser aux anciens, quoi. C'est qui, Serge? C'est le nom de mon père, mais c'est pas moi. Les Xenogears, je vois plus ce que c'est ça. C'est pas par rapport à Xenoblade, justement, Xenogears, ou c'est un truc à part? Ouais, je pense pas que ça me plaira un peu. Ah si, hein, si j'ai des RPG à vous conseiller, mais du coup faut aimer l'univers que c'est. Les RPG Steven Universe, ils sont vraiment cool. C'est des petits tactical RPG, assez simples dans prise en main, et je pense qu'ils sont très grandement inspirés des Mario en fait, des RPG Mario, des Mario et Luigi et tout ça, dans le sens où c'est un RPG mais t'as beaucoup d'interactions dans les skills que tu lances, et d'interactions par rapport aux personnages, enfin aux ennemis, je veux dire, genre un ennemi quand il va t'attaquer, bah t'as la possibilité de garder et tout ça, quoi. Ah, Serge est le héros de Chrono Cross. Ok, d'accord, je connaissais pas. Putain, il s'appelle Serge. Xenogears, c'est Evangelion, c'est bien. Ah ouais, bah... à voir. Après, j'ai pas été si fan que ça de Evangelion. Non déplaise aux puristes. Je pense que Evangelion, je m'y suis pris trop tard. J'aurais regardé le truc en étant ado, en ayant l'âge de Shinji, j'aurais vachement aimé, mais... tout comme lui, je me serais masturbé sur une collègue à l'hôpital. Non, je rigole. Mais pire passage, je le filme, ça. Une malaise ultime, quoi. Mais j'aurais bien aimé, je pense, en regardant plus jeune. Mais je suis plus trop dans les mangas et tout ça, quoi. Donc j'ai un petit peu moins adhéré au délire. Et puis les propos, du coup, de passage à l'âge adulte et tout ça, bah, ça me parle moins. Du coup, à partir de maintenant, voilà, c'était déjà un peu le cas, mais on va partir juste sur du blabla, comme ça, parce qu'en fait, j'avais rien d'autre à présenter, autre que cette conclusion. Cette conclusion blabla sur mes différents projets. Du coup, si vous me donnez des noms de jeux que je connais pas, je vais aller regarder. Hein. Shadow Heart. C'est un spin-off de Kino Mart, ça, quoi. Shadow Heart PS2. Ah, faudrait que j'utilise mes données mobiles, sinon je vais laguer, je pense. La cité de l'aube, c'est la forteresse oubliée. Bah non, a priori la cité de l'aube, du coup, c'est devenu Scala Kailum. Vu que l'arche, elle était dans la tour des oracles, et la tour des oracles, elle est sous Scala Kailum. Donc je pense pas qu'il y ait de lien direct avec la forteresse oubliée. Je pense plutôt que quelqu'un a recréé l'arche dans la forteresse oubliée. Ça peut être Xehanort ou ça peut être quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est plutôt ça. Je pense que c'est deux machines différentes. L'arche de KH1, en fait, pour moi, c'est une nouvelle version de la machine. C'est pas la même machine. Shadow Hearts. Euh...
Non, mais même si tu peux me... Parniak, si tu peux me proposer même des vieux jeux, je prends. Thronebreaker, le spin-off jeu de cartes de The Witcher. Putain, j'ai The Witcher 3 à faire. J'ai téléchargé depuis longtemps, mais en fait, vu que j'ai mon problème de manette, j'y joue pas. En fait, j'attends d'avoir la PS5 pour rejouer à mes jeux. Enfin, pour jouer à tous mes jeux PS4 qui sont en attente. Ah, Shadow Hearts, je pense que ça fait un peu trop. En fait, c'est con parce qu'en fait, j'adore les RPG en termes de gameplay, mais j'aime pas en fait le côté très japonais des RPG. C'est tout con en fait, hein, mais c'est vraiment le problème. C'est que j'adore les RPG tour par tour, typiquement les RPG japonais, mais je n'aime pas le côté trop manga et tout ça, quoi. Du moins, je n'aime plus, on va dire. C'est pour ça que des trucs plus avec les esthétiques cartoon et tout ça, ça me plaît plus. Ça peut aborder quand même des trucs sérieux et tout ça, pour autant, mais... Pff, Mass Effect, j'ai commencé par le pire, j'ai commencé par Andromeda. Après, je suis pas trop FPS. Thronebreaker. Je connais pas. J'ai les Dissidia de côté. Mais je sais pas. J'ai commencé et j'avais pas trop accroché. En fait, typiquement, il faut que je me tourne sur des RPG, mais occidentaux, quoi. Je suis désolé pour les Asiates. Font de la merde quand même. Non, je dis ça, je vais jouer à Digimon, quoi, mais c'est pas le même délire. Bah ouais, le truc japonais, c'est un peu cringe. Mon persona préféré, je vais décevoir tout le monde, mais j'ai joué que au 5, Royal. J'ai 250 heures dessus, même plus, je crois, parce qu'en fait, j'ai fait 250 heures en 2021. Et j'avais déjà commencé à y jouer en 2020. Parce que j'y ai joué en mode hard et du coup j'ai farmé de ouf et tout ça. En fait pour moi, Persona du coup, c'est SMT mais en moins bien. Du coup, j'ai pas aimé Persona, ça m'a saoulé. Je vais pas m'énerver au point de Dark Road, mais j'y ai vraiment joué jusqu'au bout par contre. Persona 5 Royal, je l'ai terminé, pas à 100%, mais j'ai tout fait, quoi. Tout ce qu'il y avait à faire d'important dans le jeu, je l'ai fait. Pour me dire peut-être qu'à un moment je vais aimer, mais jamais. Le gameplay pour moi, c'est toutes les subtilités qu'il y a en fait, de SMT, du coup, elles sont pas présentes dans Persona, et du coup, ça m'a saoulé. J'aime pas les personnages. En plus, Elfery. Faudrait que je joue au vieux Persona à la rigueur, mais en fait, ce qui m'a énervé dans Persona 5, j'aime pas le côté jeune adulte, mais en fait, ouais, en gros, ben, d'une, le côté japonais très malaisant avec le chat mascotte et tout ça, comment il s'appelle, Mona, là, putain, lui, il m'insupportait. C'est des gimmicks de personnages d'animé tout pourris, quoi, genre t'as l'espèce de rebelle meilleur ami, tu as l'artiste où, oulala, on fait des blagues de attention, il est peut-être gay, c'est rigolo de faire des trucs tendancieux sur le fait qu'il soit gay ou pas. Enfin, on s'en fout s'il est gay ou pas le perso, on s'en bat les couilles. Ou alors tu le dis carrément et justement tu abordes quelque chose par rapport à ça si tu veux le faire, mais voilà, donc là, aucun intérêt. Les trucs cringe avec les gonzesses. Ou la moindre interaction avec des filles, c'est pour faire des trucs sexistes de « Oulala, attention, le personnage, il est sexy en tenue. » Mais non, putain, c'est une mineure, j'ai pas envie de me dire qu'elle est sexy en étant en tenue latex, quoi. Donc, ça ne marche pas pour moi. Par contre, du coup, j'en avais parlé avec Phantom Lambda et on s'était fait toute une théorie là-dessus. Un persona qui se passerait, en fait, dans la vie d'un personnage qui est déjà adulte, je trouverais ça super cool. Bon, d'une, parce que du coup, ça serait dans ma tranche d'âge,
En gros, quelqu'un qui a la vingtaine passée, quoi, entre 20 et 30 ans, quoi, ça me plairait. Et je trouve que tu peux vachement quand même parler des mêmes choses. Et en gros, le côté. Comment on peut dire ça? En fait, aborder la société, parler de la société, mais plus du point de vue d'un adolescent cette fois, plus d'un point de vue d'un lycéen qui se dit le monde des adultes, c'est vraiment nul. Ils sont méchants, les adultes, parce que c'est ça, dans Persona 5, c'est ça, quoi. C'est chiant, en fait. Genre, tu dis, oulala, les méchants adultes qui veulent le pouvoir. Mais ça serait cool, en fait, justement, de parler d'un personnage dans un monde adulte qui, justement, est contre cette idée de... Putain, les gens, ils font des profs... Ils cherchent à faire du profit avec tout et rien. Les gens ne pensent qu'à l'argent et tout. Mais pour autant que le personnage soit dans un monde où il a besoin de l'argent et tout. C'est sûr, c'est un lycéen à la con, à part avoir de l'argent pour invoquer des personas, il n'a pas besoin de thunes, quoi. Tout passe. Et j'avais imaginé ça, genre, imagine, tu mets ça dans un contexte où tu mets ça dans un grand building au Japon, genre une grosse industrie. Une grosse société multinationale qui est implantée au Japon. Ton personnage, il commence dedans, en bas de l'échelle. Et que tes différents arbres, en fait, d'histoire qui se déclenchent, et du coup, arbre de compétences aussi, selon tes activités dans l'entreprise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que petit à petit, en gros, notre personnage, il montrait. Enfin, il pourrait monter dans l'importance de la boîte, il pourrait devenir cadre ou des conneries du genre et tout. Et du coup, bah, les relations avec les personnages, elles sont différentes. Des personnages qui t'aimaient bien, genre tes potes avec eux, par exemple, je sais pas, t'es le vigile à l'accueil, bah, tes potes avec l'autre vigile, à partir du moment où tu deviens un cadre, bah, l'autre vigile, ça le ferait peut-être un peu chier que toi tu sois cadre et pas lui, quoi. Et du coup, il y aurait un truc comme ça de. Il y a des amitiés que tu pourrais pas garder. Parce qu'en fait, c'est mon gros problème dans Persona, c'est que. En fait, le but du jeu, c'est juste de devenir ami avec tout le monde. Il n'y a aucun intérêt à ne pas être ami avec quelqu'un. Parce qu'en fait, ne pas être ami avec quelqu'un, ça implique du coup que tu ne vas pas avoir de compétences. En fait, dans les Persona, tu peux avoir toutes les compétences en devenant ami avec tout le monde. Moi, je rêverais d'un jeu à la Persona où. Les relations avec les autres personnages, mais pas du coup une relation forcément bénéfique, t'apportent quelque chose. On va dire un exemple tout con. Par exemple, tu es ami avec Jean-Jacques. En devenant meilleur ami avec Jean-Jacques, tu gagnes un bonus en PV quand tu combats. Mais pour autant, tu peux quand même, en choisissant d'autres lignes de dialogue, tu peux devenir rival de Jean-Jacques. Si tu deviens rival de Jean-Jacques, t'as un bonus en attaque. Et si tu deviens amant avec Jean-Jacques, t'as autre chose. Voilà, genre. Je vais pas dire quoi, je vous laisse imaginer. Mais. Genre, je rêverais d'un jeu comme ça. Du coup, faire moins de personnages. Parce que dans Persona 5, pour moi, il y a trop de personnages différents, quoi. Je veux bien comprendre que c'est par rapport aux arcanes et tout ça, qui a toujours été comme ça, mais. Ça fait trop de personnages. Et ça fait trop du blabla pour rien. Alors qu'il y aurait juste, genre, 3-4 personnages principaux. Et qui ont tous des interactions entre eux, et que ces interactions forgent totalement leur personnalité, leur histoire et le gameplay, que demander de plus? RPG parfait. Moi, ce que j'aime bien dans les RPG, en fait, c'est la personnalisation. Là, il y aurait de la personnalisation à fond, de la replay value à fond, parce qu'aucune run ne serait jamais la même. Parce que tu ferais pas les mêmes choix, y a même des trucs, toi, qui pourraient être plus ou moins pas aléatoires, mais. Dans Dragon Age 2, oh putain, Dragon Age, j'y ai joué. J'ai fait un Dragon Age, mais je crois que j'ai fait le plus nul. Bah ouais, je rêve trop d'un jeu où je vais me taper Jean-Jacques. J'aurais dû prendre un autre nom que Jean-Jacques, mais c'est le premier nom à la con qui m'est venu. Mais ouais, je pense qu'il faudrait que j'essaye Persona 1 et 2, je pense que ça me plairait plus. J'ai joué au 3, mais j'ai pas aimé. Mais alors que le 3 est celui qui a l'esthétique edgy. J'aime bien l'esthétique edgy en général, mais pour autant, ça, j'ai pas accroché. Je trouve vraiment en fait qu'en termes de gameplay, les Persona, c'est SMT en moins bien.
Autant au niveau histoire, c'est pas le meilleur, mais Persona 4 Apocalypse, donc Persona 4 finale, pour moi, meilleur RPG auquel j'ai joué. Je trouve vraiment qu'en termes de gameplay, de personnalisation et d'optimisation et tout des démons, bah c'est le meilleur. Et du coup, en vrai, les jeux de Digimon, ils sont quand même pas loin dans le sens où ce que j'aime bien, c'est que, bah, un petit peu comme les mobs, enfin les personnages et les démons qu'on peut avoir dans les personnages et les SMT, c'est que, en fait, tes Digimon, ils peuvent avoir... Je dis quoi? Je dis... Tu dis Persona peut-être à la place des SMT? Ouais, c'est pas grave. En gros, dans Digimon, ouais, il y a ce côté-là de... Tu peux en fait personnaliser autant que tu veux tes Digimon. Parce qu'en fait, ils vont en gros... comment dire ça? Tu vas les faire évoluer d'une manière, et en fait, à un moment, tu vas les faire revenir en arrière. Mais vu qu'ils sont revenus à un stade d'évolution inférieur, ils vont pouvoir prendre une autre branche d'évolution. Et par exemple, un truc tout con, tu peux faire Angemon, donc qui est le Digimon Ange par défaut, donc le truc de la lumière et tout. Bah, si tu veux, tu peux lui faire un set full attaque ténèbres, parce que tu l'auras optimisé de sorte à faire des allers-retours entre les évolutions pour qu'il chope des attaques de ténèbres. Du coup, c'est pour ça que j'aime vachement les RPG Digimon. Après, ils ont des défauts, hein, ils sont pas si ouf que ça. Digimon Survive, j'attends vachement du jeu, parce que ça a l'air d'avoir la vibe Persona, où c'est une espèce de visual novel, mais avec pas mal d'embranchements possibles et justement pas mal d'interactions possibles avec les personnages. Il y a l'air d'avoir... En fait, en plus, ils n'ont pas basé ça sur good, neutral et bad ending, en gros. Dans Digimon Survive, leur trois thématiques, c'est... C'est comment qu'ils disent ça? Je crois que c'est... empathie, harmonie et rage. Donc ça peut tout vouloir... tout et rien dire, mais je trouve ça vachement cool que ce soit ça les termes du jeu. Et du coup, bah, ça semble impliquer que tu peux être gentil avec tes ennemis, et aussi avec les autres personnages, te mettre plus dans un truc harmonie, donc c'est plus ou moins le truc neutre, mais toi, ça n'a pas la même notion que neutre. Neutre, c'est un peu Osef. Harmonie, c'est... t'es bien avec eux. Et rage, je vais me faire plaisir, moi ça va être full run rage quoi. Parce que si on joue à un jeu où tu peux buter tous tes camarades, tous les clichés d'animé que vont être les protagonistes, moi j'adore. SMT4 finale justement, sans trop spoiler, bon, si entre guillemets, il y a une des routes où à la fin tu peux tuer tous tes potes. C'est comme si dans KH tu jouais Sora, et d'un coup t'as le choix avec Sora de buter tout le monde. Moi je le fais ça. Voilà, le plaisir d'être méchant dans un jeu, moi je prends. Le plaisir de tuer des gens dans Skyrim, de faire des montagnes avec leurs cadavres et de mettre le feu, à leurs cadavres qu'on aura déshabillés auparavant, un régal. Vous inquiétez pas, je vais bien dans ma tête. Voilà. Alors je lis ce que vous avez dit, les Yakuza... Ouais, je pense que les Yakuza, l'ambiance trop décalée, ce sera pas trop mon humour, je pense. Si c'est un humour décalé, mais genre cartoonesque, j'aime bien. Mais là, du coup, c'est trop... Je sais pas, en fait, l'humour de Yakuza, ça a l'air un peu genre humour Gintama, quoi, genre en termes d'anime. Je pense pas que j'adhère. Tu veux pas être mon pote, Parniak? Oh super, le génocide par... Toujours mettre les gens à poil dans Skyrim, sinon je joue pas vraiment au jeu. C'est tout à fait ça. Sauf les enfants. Les enfants, y a pas le droit. Et les vieilles sorcières... Ah non, on peut pas les mettre à poil. Quand elles sont en forme humaine, ouais, mais pas quand elles sont en vieille harpie, là, à moitié. Et heureusement, j'ai pas trop envie de voir. C'est des films de mafieux. Ah ouais. À tester.
Bah, ça me ferait chier de devoir tous les faire. Est-ce qu'il y en a un où tu peux y jouer sans avoir fait les autres? Ah, c'est un peu ambiance, on va dire GTA quoi, dans l'histoire. Je suis pas fan, mais ça pourrait me plaire. Peut-être. À voir, à voir. Si vous me dites un qui n'a pas besoin d'avoir un jeu en fait Yakuza où il n'y aurait pas besoin de connaître les autres, je prends. Comment est ça, putain, les affreuses, putain, heureusement qu'on peut pas les mettre à poil. Je suis sûr qu'il y a des modes pour, mais j'ai pas envie. Yakuza, Like a Dragon, Last Judgment. Ok, je note. Ok, ok. Bah, je verrai. Ouais, ouais, bah, RPG tour par tour, je prends, c'est ce que je veux. Mais oui, mais toi, tu as connu le vieux Oswald. Tu as même dû rencontrer le Geku Moko. Non, c'était quoi mon pseudo? Je crois que c'était un truc comme ça. Au début, sur le forum Burst by Sleep. Ah, est-ce que t'étais sur le forum Burst by Sleep? T'es peut-être arrivé avec le forum 3D. Bon, après, les sorcières, je les aurais quand même... Même maintenant, je les foutrais à poil au moins une fois pour rigoler. Hein. Après, est-ce que je kiffe les voir à poil? Ça, c'est autre chose. Putain, ça va absolument pas faire envie aux gens de voir les 3 heures de live là pour la rediff. Je ferai peut-être des cuts. Je sais pas si on peut. Si on peut directement ou si j'aurais dû enregistrer avant. Au pire, c'est pas grave, je mettrai des timers. Ah, t'étais là avec un ancien pseudo. Putain, tu m'as connu de bout en large. J'espère que tu n'as pas enregistré mes photos de trappe. J'en ai pas honte, mais je crois que j'ai réussi à toutes les supprimer d'internet normalement. Ouais, ouais, au pire, ils écoutent en podcast, mais c'est plus dans le sens où voir 3 heures, c'est pas forcément motivant, quoi. Surtout que là, au final, on fait du blabla et c'est plus par rapport à cash. Après, je l'avais prévenu. Mais tu peux récupérer la VOD. Ouais, mais est-ce que la VOD, je peux la télécharger après? Est-ce que je peux la télécharger pour moi-même faire les cuts? C'est ça, j'ai le doute. Je pense que c'est mort. Au pire, je re-enregistre par-dessus, mais... Putain, j'aurais dû lancer un enregistrement en même temps, mais je sais pas... J'aurais peut-être dû le faire en plusieurs fois. Ouais, ça m'aurait fait du montage dans la flemme. Les gens... Soit ils m'aiment et ils aiment les 3 heures, soit ils ne m'aiment pas. Voilà. Ok. En MP4. Secret of Mana. On va peut-être mettre des petites musiques qui bougent plus. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est les mêmes qui tournent là, je crois. Tout. Comme toutes tes vidéos YouTube. De quoi, comme toutes mes vidéos YouTube? Ah, je peux les télécharger directement? J'ai pas besoin de passer par un truc pourri genre YouTube MP3 et enfin MP4 et tout ça. Moi je passais par des vieux sites de merde pour récupérer mes propres vidéos. Je suis trop nul. Après toi, j'y pense maintenant les lives. Je sais pas si je ferai un jour des lives sur des jeux. Parce qu'en fait j'aime bien jouer tranquillement. Et je trouve que faire des lives sur des jeux, ça... Enfin, tu dois te baser sur les gens, un minimum, quoi. Faut qu'il y ait de l'interaction. Moi, en fait, j'ai envie de jouer, et d'un coup, si d'un coup, c'est le jeu, il me saoule, et qu'en fait, j'y ai joué que 10 minutes, bah, j'ai envie de pouvoir me dire, ouais, c'est bon, j'arrête, quoi. Ou j'ai envie de me dire, je mets en pause, je vais regarder un truc sur mon portable, je vais pisser un coup, et je fais ce que je veux, quoi. Alors, quand t'es en stream, bah...
Peut-être tu vas pas dire aux gens, salut, je lance un stream sur... On lance un stream Fortnite, là. Et en fait, au bout de 2 minutes, ouais, en fait, j'ai plus envie. On joue pas à Fortnite, mais vous avez compris l'idée, quoi. Je pense que c'est le pire truc pour se faire... Pour se faire des amis, quoi. Sur Switch, il y a des mecs qui font rien que parler pendant 8 heures et leur VOD sont regardés. Ouais, bah, je vais peut-être faire des lives blabla, quoi. Je vais vous expliquer ma morning routine. Alors je me lève, je me lave, et puis voilà. Et le soir, bah, je rentre, je mange, et voilà. Ah, c'est cool qu'on peut redownload. Ouais, enfin, bah, streamer des jeux, du coup, bah, je sais pas. Ça m'ambiance pas trop. Après, à voir. Voilà, faudrait que ce soit vraiment pour l'occasion, comme ça, en mode... je joue au jeu, et puis faut pas espérer que j'en fasse un let's play en fait, parce qu'il y aura forcément des moments où j'aurai envie d'y jouer tranquillement tout seul, et je me sens pas trop capable de vraiment donner un rendez-vous à tout le monde et faire ça tout le temps. On va enlever le truc avec le maître des mecs là et tout. On va enlever à quoi aussi Putain, je suis abonné à ma propre chaîne, j'avais même pas vu. Truc malaise. Bah, j'aurais bien vu Digimon justement le faire. Que ça soit. Parce que j'aurais envie de me refaire une run de Hacker's Memory, mais. Bah, ça me fait un peu chier. Ce que j'aurais bien vu sinon, c'est des let's play narratifs. Genre les enregistrer en live. Ou en off, et puis et reparler après par-dessus et raconter quelque chose avec le jeu. Ça me plairait beaucoup. Mais est-ce que ça s'y prête? Je suis pas sûr. Genre, je sais pas si faire un... Ah, plus fantôme. Je sais pas si faire un... Merde. Ouais, je sais pas si faire un let's play narratif sur un RPG, est-ce que ça s'y prête? Vraiment. Parce qu'en général, le personnage de RPG, il a déjà plus ou moins une espèce de personnalité, quoi. Donc est-ce que tu peux vraiment réussir à raconter quelque chose avec? Je vois pas sinon ce que... En général, en fait, il faudrait que je... Si je fais des streams sur des jeux, ça serait sur des jeux que je connais déjà, en fait. Parce que découvrir un jeu, j'aime bien le faire tout seul. Même quand il y a ma copine à côté, par exemple, ça me saoule, quoi. Je veux jouer tranquille. Je vais faire des let's play narratifs sur LOL. Ça serait vachement drôle. Trop envie de faire des let's play narratifs sur League of Legends. Ça marcherait trop bien. Le concept serait trop de ouf. Bah, du coup, on va mettre d'autres petites musiques là. Comment je fais ça? Vous allez bouffer de ma merde. Qu'est-ce qui... Oh, mais SMT5 a trop la plaine, je vais gueuler tout le temps, quoi. Non, moi je joue quand même à des jeux où on joue ensemble. Avec ma copine, on joue à LOL. Non, on joue plus à LOL, mais c'est pour ça du coup on a commencé un MMO là ensemble. Mais... Bah, go, Nanashi. On parle souvent, fais-le.
je pense pas que le comment on appelle ça, le gaming game, ce soit mon truc, quoi. Je sais pas si j'ai encore autre chose à dire. Je pense que là on tourne en boucle peut-être. Je sais pas combien on a été au maximum de spectateurs en même temps. Je pense que quand il y a eu les gens de Kingdom Hearts Destiny qui sont passés, c'est peut-être monté un peu plus. On est peut-être juste resté à 4 ou 5 glandus là, mais en tout cas c'était sympa. Merci d'être venu. Je sais pas si j'en referai d'autres. Enfin, après faut voir si au final la connexion ça passe un minimum là comme ça, je pourrais en refaire d'autres. Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire sur la chaîne, quoi. J'aime bien justement faire du montage et tout. Écoutez-moi ce son là. Super. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? 18 maxi? Ok, ouais, c'était déjà ça. Ok. Bien, sait-on jamais. Peut-être que des gens reviendront quand même. Mais je pense que la connexion. Genre, vous arrivez à lancer sur du combien en fait? Vous êtes sur du 720 ou du 480 et c'est dégueulasse, ou que je me fasse une idée pour la prochaine fois? Il faudrait que j'essaye de régler en 4G, mais en fait mon débit en 4G il est tout aussi nul, donc ça marche pas. Ou alors il faudrait vraiment que je passe directement par mon portable en mode podcast et tout, et du coup je peux pas utiliser OBS pendant ce temps-là, et ça serait vraiment une image fixe, juste alors que là j'avais essayé de faire des petites animations, lancer de la musique et tout. Donc, c'est de bosser un petit peu quand même un petit overlay et tout aujourd'hui, mais si je le fais que sur portable, ce sera pas possible. 720p? Ok, ouais, bon bah ça reste bon. Un minimum bien, quoi. Ouais, bah sur ce, du coup, je vais vous dire bye bye. Merci d'être venu, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ça fait plaisir. Et puis bah on retentera peut-être l'expérience. Je vais faire un thread, je pense, sur Twitter, et puis faire un message en onglet communauté de YouTube pour avoir des retours du coup sur ce que vous aimeriez voir par la suite. Je pense surtout du coup au. Comment ça s'appelle ? Au potentiel vidéo What If et mythes et croyances. Je pense plus me concentrer sur les What If pour commencer ça. Et puis bah voilà, c'est tout. Merci à vous. À la prochaine. Bye bye.